Bonjour et bienvenue sur Tricot Touch. Aujourd'hui, la déclinaison du tuto 22. Ce tuto 22, c'est un petit paletot que j'avais réalisé en 5 tailles. Et je l'avais tricoté au point mousse. Alors le point mousse, il a ça de super, c'est que c'est très adapté à la layette. Et en plus, c'est un point qui ne roulotte pas. Vous voyez, les bords sont tout à fait droits. Mais vous savez que c'est un point qui me pose aussi un problème, enfin deux même. Le premier, c'est qu'il est, c'est très long. Ça prend un temps fou. Et le deuxième, c'est que ça prend beaucoup de fil. Donc je voulais vous proposer une solution où on va utiliser le jersey. Le jersey, ça monte beaucoup plus vite et ça prend moins de fil. Mais l'inconvénient, c'est que ça roulotte. Ça signifie que le devant roulotterait, le bas aussi, la capuche aussi, les manches aussi. Et il fallait que je vous propose une solution qui vous permette d'utiliser le jersey, mais de ne pas avoir les inconvénients des petits rouleaux qu'il y aurait sur le bord. Alors avant de vous expliquer tout ça, une petite précision quand même, c'est une déclinaison du tuto 22. Ça signifie qu'au minimum, vous l'avez visionné ou bien vous l'avez même carrément tricoté, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué à comprendre. Sous la vidéo, vous avez la barre d'infos et vous y trouverez toutes les informations qui vous seront nécessaires et notamment le lien vers ce fameux tuto 22. Et idéalement, en tout cas pour une des deux versions que je vais vous proposer, pour celle-ci, ça serait d'avoir visionné aussi une vidéo que j'ai faite, un tuto que j'ai fait sur comment, mais surtout combien relever de mailles. Ça va vous permettre un petit peu de défricher le terrain. Donc ici, une boîte de dialogue qui s'ouvre et qui vous emmène directement vers cette fameuse vidéo qui vous sera utile pour ce tuto, mais qui vous sera utile de toute façon pour beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Alors ça, c'est celui que j'avais réalisé pour le tuto. Ça, c'est un autre réalisé aussi en point mousse. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous présenter deux méthodes qui vont vous permettre de tricoter sur une base de jersey, mais malgré tout, de trouver une solution pour que le devant et les bords ne roulottent pas. Alors je vous propose du coup deux solutions. La première, donc ici une base de jersey et on viendra relever des mailles pour faire du point mousse là où on ne veut pas que ça roulotte. C'est une solution qui demande beaucoup de calcul mais très peu de concentration. La deuxième solution, ça va être d'intégrer un point fantaisie en même temps qu'on tricote le reste, donc on ne va pas venir relever des mailles. Cette solution-là nécessite beaucoup moins de calcul, quasiment pas même d'ailleurs, par rapport au tuto 22, je veux dire. Mais par contre, demande beaucoup, beaucoup plus de concentration. Du coup, je comprends bien que vous vous posez la question suivante, mais pourquoi faire un tuto spécialement, simplement pour avoir du point mousse sur les bords d'un ouvrage qui est en jersey? Pourquoi ne pas intégrer directement le point mousse au moment où je tricote? Alors voilà ce que ça donnerait. Donc ça, c'est mon aiguille. On commencerait par tricoter du point mousse, puis on ferait du jersey. Arrivé au niveau des manches, on ferait les débuts de rang en point mousse et le reste en jersey. Oui, c'est ça, début de rang en point mousse et le reste en jersey. Hop, on continue, on fait toujours début de rang en point mousse, le reste en jersey. Et puis quand on arrive au niveau de la bande de boutonnage, on fait du jersey en début de rang et toute la fin de rang en point mousse, jersey, point mousse, pour faire la bande de boutonnage sur lesquelles on viendrait positionner nos boutonnières et puis on terminerait par une bande de point mousse. Et ben, alors c'est faisable, mais vous allez avoir un problème. Vous allez avoir un problème, pardon, de tension. Donc tout ça, je vais vous l'expliquer après. Ce qui va se passer, alors sur les manches, ça va pas être très visible. À la limite, vous pourriez tricoter du point mousse dans le prolongement du jersey pour les manches. Ça viendrait vous les resserrer pas plus. Mais par contre, sur la bande de boutonnage et sur la capuche, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un gros problème de tension entre la partie qui serait en point mousse et la partie qui serait en jersey. Il y a une raison à ça qui est liée à l'échantillon. Alors je vous parle de cet échantillon dans chacune de mes vidéos, mais c'est vraiment fondamental. Le jersey et le point mousse sont des points qui sont très proches du point de vue du nombre de mailles pour 10 cm, mais qui sont extrêmement éloignés du point de vue du nombre de rangs pour 10 cm. Ça signifie que la partie de bande de boutonnage que vous auriez tricotée en même temps monterait moins vite que la partie en jersey et ça viendrait créer ici une tension qui serait très visible. Même chose pour la capuche, la partie que vous tricoteriez en fin de rang en point mousse monterait moins vite que le reste en jersey et ça vous créerait une tension. Là, effectivement, ça poserait pas de problème, on serait en jersey, ici du point mousse, ça viendrait créer une tension donc ça monterait moins vite, ça vous resserrerait la manche, ça serait pas super grave puisqu'à la limite
qu'une manche soit un petit peu resserrée au bout, ça ne serait pas un problème. Mais ça nous poserait réellement des problèmes pour toute la bande de boutonnage et pour tout le bord de la capuche. Voilà, alors on va aller un petit peu plus en avant dans ce genre d'explication. Pour celui que je vais vous montrer, là, pour le petit paletot que je vais tricoter, j'ai utilisé des aiguilles numéro 5 et j'ai fait mon échantillon en jersey. L'échantillon se fera en jersey, il n'y aura pas besoin de faire d'échantillon en point mousse. Et mon échantillon est de 17 mailles pour 10 cm pour, je sais plus, oui c'est ça, 27 rangs pour 10 cm. Si avec les mêmes aiguilles et le même fil j'avais tricoté du point mousse, j'aurais un échantillon de a priori environ 17 mailles pour 10 cm de large. Mais par contre, au niveau du nombre de rangs, il est quasiment certain que j'aurai 33, 34, 35 maximum rangs pour 10 cm. Donc vous voyez que du point de vue du nombre de mailles, le jersey et le point mousse sont très proches. Mais par contre, du point de vue du nombre de rangs pour 10 cm, le jersey et le point mousse sont très éloignés. Donc là, ça signifie qu'en point mousse, il me faut beaucoup plus de rangs pour faire 10 cm de hauteur qu'en jersey. C'est pour ça qu'on dit que le point mousse monte doucement. Alors je vous disais que je n'avais pas eu besoin de faire d'échantillon au point mousse. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé mon échantillon en jersey. Ensuite, je prends pour le nombre de mailles la même chose que le jersey, parce que de ce point de vue-là, le point mousse et le jersey sont très simples, très similaires, pardon. Et pour le nombre de rangs, je sais par expérience, et puis vous l'apprendrez vous aussi, que le nombre de rangs en point mousse est le double du nombre de mailles. Donc 17 fois 2, 34. De toute façon, on ne va quasiment pas utiliser le nombre de rangs dans la déclinaison que je vais faire. Ce qui nous intéresse, c'est le nombre de mailles pour 10 cm, et c'est la même chose qu'en jersey. Du coup, en tout cas, de ce point de vue-là, pas de calcul à faire. Non, pas de calcul. Pas de. Si, il va y avoir des calculs, croyez-moi, il va y en avoir. Non, enfin, je ne veux pas vous paniquer non plus, hein, mais il y a des calculs. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'échantillon en point mousse en fer. L'échantillon que vous faites sera en jersey pour tricoter notre base en jersey. Alors ça a l'air de rien, mais avec ce tuto 22, on aborde un problème, un thème qui pour moi est extrêmement important. Et j'espère d'ailleurs avoir le temps un jour d'y consacrer un véritable tuto. La question, c'est de savoir si on peut mélanger comme on veut, plusieurs points sur un même ouvrage. C'est une question qui est assez fondamentale, qui nécessite des réponses. Il y a des solutions et puis parfois il n'y en a pas. Donc j'espère un jour pouvoir aborder ce thème avec vous. Ici, on a donc le problème de mélanger du jersey et du point mousse alors que leur échantillon est très différent du point de vue du nombre de rangs pour 10 cm. Donc, dans la première solution, je vais donc vous proposer d'éliminer directement ce problème et de tricoter en jersey, puis de venir relever des mailles pour tricoter du point mousse. Et là, vous verrez, c'est en fait, on détourne le problème et c'est une solution qui est quand même relativement simple. Dans le deuxième exemplaire que je vais vous montrer, on va essayer de trouver une solution qui nous permettra d'avoir un point qui, du point de vue du nombre de rangs pour 10 cm, se situe entre le jersey et le point mousse. De cette façon, on va pouvoir le tricoter dans le prolongement sans créer de tension et sans qu'il roulotte, hein, parce que c'est un peu ça l'objectif au départ aussi quand même. Alors la première solution qu'on va voir ensemble, c'est l'équivalent de celui-ci, du rouge. Donc il s'agit de tricoter la base en jersey et puis de venir relever des mailles, donc pour les manches ici, et puis sur les devants pour pouvoir faire la partie en point mousse. Bon alors bien sûr la première chose que j'ai faite c'est que j'ai utilisé le patron que vous trouvez dans le tuto 22. J'ai choisi ma taille, j'ai pris toutes mes dimensions, j'ai fait mon échantillon en jersey et j'ai commencé mes calculs. Sauf que dans mes calculs, j'ai enlevé 3 cm de manche et j'ai enlevé ici la bande de boutonnage. Donc moi, c'était 9,5 cm, me semble-t-il. Donc ça donne ça. J'ai fait tous mes calculs en nombre de mailles et en nombre de rangs, sauf pour les débuts, pour les manches, et sauf pour la partie bande de boutonnage. Pour le reste, ici, et ici, c'est-à-dire sur le bas du dos et sur le devant, j'ai tricoté quelques rangs en point mousse. Ça pose pas de problème, j'ai quand même monté 46 mailles, puisque je vous l'ai dit, le point mousse et le jersey, du point de vue du nombre de mailles, ont exactement le même échantillon. Donc voilà ce que ça donne. Ça me donne un petit paletot où il manque
3 cm de manche. En réalité, je vais en tricoter 6 parce que je souhaite les retourner. Où il me manque aussi la partie de devant, la bande de boutonnage. Donc, j'ai monté mes 46 mailles que j'ai calculées au départ. J'ai tricoté 8 rangs de points mousse. Ensuite, la partie jersey, les manches. Je suis venue finir de tricoter la partie 1 sans la bande de boutonnage et sans ces 3 cm ici. Et puis, j'ai terminé par du point mousse. Ensuite, la partie 2. Donc, je suis venue rabattre les mailles de l'encolure. Et pareil, j'ai tricoté tout en jersey en suivant les calculs que j'avais faits. Alors, le premier objectif qu'on va se fixer, ça va être de venir rajouter notre bande de points mousse ici. On va donc venir relever les mailles et tricoter en ce qui me concerne 6 cm. Il se trouve que ici, ce sont des rangs, d'accord? Alors que nous, on va venir relever des mailles et tricoter dans ce sens-là. Alors, vous savez où vous allez le savoir en visionnant la vidéo que j'ai faite sur ce sujet-là, donc comment et combien relever de mailles, que je ne peux pas relever autant de mailles que je rencontre de rangs. Ici, j'ai, d'après mes calculs, j'ai 56 rangs. Si je venais relever 56 mailles, là, donc j'ai 56 mailles sur mon aiguille, je vais avoir une manche beaucoup, beaucoup trop large. Il y a donc un petit calcul à faire avant de relever des mailles et de tricoter les 6 cm de point mousse. Bon, on va passer à la partie calcul pour venir relever les mailles sur les manches. Alors ici, juste pour vous préciser, ces deux petits fils qui traînent, c'est juste un changement de pelote que j'ai fait sur le bord. Je l'ai fait sur le bord parce que comme ici, je vais venir relever des mailles, je vais avoir un petit bourrelet qui me permettra de cacher sur l'envers ces petits fils disgracieux. Voilà. Pour la partie calcul, on a besoin d'une chose, de deux choses, c'est notre échantillon et une calculette. Donc rappelez-vous, mon échantillon en jersey est de 17 mailles pour 27 rangs. Donc vous notez votre échantillon, ensuite vous prenez votre nombre de rangs, moi c'est 27, et vous le divisez par le nombre de mailles. En l'occurrence, en ce qui me concerne, 17. 27 que divise 17, ça me fait 1,58. Donc là, je vais mettre une petite liste et on va venir comparer notre résultat à la petite liste que je vous inscris juste en dessous. Alors le résultat que vous allez trouver, que vous avez trouvé ici, en réalité, c'est le rapport qu'il y a entre le nombre de rangs et le nombre de mailles pour 10 cm. Je vous disais tout à l'heure que par exemple le point mousse, je le sais d'office, il faut 2 fois plus de rangs que de mailles pour faire 10 cm. Et le jersey en général, il faut 1,5 fois plus de rangs que de mailles pour faire 10 cm. Eh bien ce rapport, il est là. C'est celui qu'on vient de calculer. Donc vous prenez votre résultat et vous venez le comparer à cette liste ici. Et vous cherchez le nombre qui s'en rapproche le plus. Donc moi, 1,58, ça se rapproche le plus de 1,5. Donc vous venez comparer le résultat que vous avez trouvé à la petite liste que je vous mets là. Alors moi, j'ai trouvé 1,5, donc je suis venue ici. Et ça signifie que je vais venir relever 2 mailles sur 3. Parce que si je relevais autant de mailles que de rangs, je vous l'ai dit, ça serait une manche beaucoup trop large. Donc je viendrai relever 2 mailles sur 3. Imaginons que vous ayez entouré 1,25, ça signifie que vous viendriez relever 4 mailles sur 5. Si vous avez entouré 1,33, ça signifie que vous viendriez relever 3 mailles sur 4. Donc en ce qui me concerne, et je pense que pour nous tous, ça sera 2 mailles sur 3 parce que de toute façon, le jersey en général, voilà, on est dans un rapport de 1,5 environ. Je vais donc pouvoir relever mes mailles et je vais en relever 2 sur 3. Bon, j'ai des fils un petit peu partout, puis il y avait une petite chose que j'avais oublié de vous dire. Quand j'ai tricoté la première partie, hop, voilà, ici avec la manche et le devant, le petit devant. J'ai terminé par quelques rangs de points mousse et je n'ai pas coupé le fil, je l'ai gardé parce qu'en fait je me retrouve dans la bonne position tout à l'heure pour pouvoir venir relever des mailles et tricoter la bande de boutonnage. Et c'est toujours bien de ne pas avoir à rajouter un fil, donc c'était pour vous expliquer cette pelote qui traîne. Donc je vais venir la fixer puisque nous on va travailler ici sur la manche. Donc là je suis obligée de prendre une nouvelle pelote par contre. Quand on va relever des mailles, on va avoir un petit bourrelet disgracieux et on veut qu'il soit sur l'envers. Donc pour ça, il faut qu'on se mette en endroit visible du travail. Donc là, c'est le dos, l'endroit est visible. Voilà le début de ma manche. Je me mets donc
dans cette position. Voilà, donc je prends un nouveau fil, ma manche endroit visible et mon aiguille. Le plus dur au départ, c'est de venir planter votre aiguille dans l'angle à une maille du bord. Voilà, parce qu'on a un petit peu du mal à voir l'angle. Donc je vais vous faire un gros plan pour vous montrer donc cette première maille du bord. C'est ce qu'on appelle la maille lisière. Elle est un petit peu retournée, elle est toute moche. Eh bien, on vient juste en dessous et on vient bien dans l'angle comme ceci. Donc là, on est sur le bord. Si je retourne ce qu'on appelle la maille lisière, hop, je la mets bien droite. Et je la vois un petit peu ici, ça fait un petit V. L'objectif, c'est de venir glisser notre aiguille en dessous de ce petit V. Sous le petit V, vous avez un petit trou. Hop. Voilà. Donc évidemment, le bord est peut-être un tout petit peu plus délicat à trouver. Voilà, mettez-vous le plus près possible. Ensuite, je prends mon fil et je garde bien 15-20 cm de fil perdu. J'en aurai besoin pour pouvoir le camoufler ensuite. Et j'entoure mon aiguille et je tire et je ramène la boucle de l'autre côté. Je viens de relever une maille. Je le vais dans le petit trou qui est juste à côté. Je ne me trompe pas de fil, je ne prends pas le fil perdu, je prends l'autre. Et je relève une deuxième maille. Donc là, j'ai déjà relevé deux mailles. Dans le petit trou suivant, je n'y vais pas, puisque je dois relever deux mailles sur trois, donc je le saute. Et je vais dans celui d'après. Et je relève une maille. Une, trou suivant, deux, trou suivant qui est là, je le saute et je passe à côté. Une, deux, alors le trou suivant, si vous ne le voyez pas, vous écartez un peu et vous plongez dedans là, avec votre aiguille. Voilà, comme ça vous le repérez bien et du coup, vous allez dans celui qui est juste après. Donc là, moi, je suis en train de relever deux mailles sur trois. Si vous releviez 4 mailles sur 5, eh bien ça veut dire 4, je saute une maille, 4, je saute une maille, etc. Donc là, n'hésitez pas à écarter, hein. Ce trou-là, je ne le prends pas, je prends celui qui est juste après. Voilà, le tout, c'est d'avoir, ben, comme d'habitude, une bonne lumière, les lunettes qui vont bien si vous en avez besoin. Moi, c'est le cas. Et puis, vous verrez que ça ira tout seul. Une, deux. Grave. 2 et je saute. Donc là j'arrive à l'endroit où je vous disais que j'avais mes fils qui étaient de changement de pelote. Donc c'est un peu plus le bins. Enfin ouais, ça va. Ça va, on gère. Et je continue comme ça jusqu'à la fin. Alors il ne faut pas vous paniquer sur le nombre de mailles que vous allez relever. Est-ce que vous avez bien sauté Voilà, il faut rester un petit peu serein. S'il vous manque une ou deux mailles, ça ne sera pas très très grave non plus. Et d'ailleurs, tiens, maintenant que j'y pense, quand j'aurai fini là, je vais compter le nombre de mailles que j'ai. Ah, tiens, les chiens s'énervent. Et puis, je vais vous montrer comment vous pouvez calculer le nombre de mailles que vous devriez avoir relevé pour voir si réellement vous êtes très proche du résultat prévu ou si vous vous êtes trompé et que vous n'en avez vraiment pas relevé assez. Donc là, je continue jusqu'au bout, je saute celle-ci et je relève la suivante. Là, c'est rien de plus, ce que je vous montre, c'est rien de plus que ce qu'il y a dans le tuto sur comment et combien relever des mailles. Allez, je vais jusqu'au bout. C'est un petit peu serré, c'est normal. D'ailleurs, votre premier rang sera un petit peu serré. C'est normal parce qu'on a tendance à tirer comme un âne sur le fil quand on relève des mailles. Enfin, moi en particulier, je ne sais pas vous, mais... Allez, je l'ai encore loupé. Moi, j'arrive pas à rester souple. Voilà, j'arrive à la fin. Je viens d'en relever deux. Je dois sauter une maille. Et je vais venir relever la dernière dans l'angle. Puisqu'après, il n'y a plus de place. Et je compte le nombre de mailles que j'ai relevées. J'ai relevé 35 mailles. On va voir si c'est à peu près ce que j'aurais dû relever. Alors, rappelez-vous que de là jusque là, moi, j'avais compté que d'après mes calculs, j'ai 56 rangs d'ici à ici. J'ai donc 56 rangs sur lesquels je suis venue relever des mailles. Et je suis revenue en relever, en ce qui me concerne, 2 sur 3. Donc, je fais 56 divisé par 3, que multiplie 2.
56 divisé par 3 que multiplie 2, je trouve 37,33. Je devrais avoir relevé 37 mailles. Alors j'en ai relevé que 35, ça s'explique notamment à cause de l'angle où j'ai peut-être fait un petit loupé. Alors 2 mailles de plus, 2 mailles de moins, très honnêtement, ça va vraiment pas être un souci. Maintenant, je vais vous montrer un exemple en imaginant, pour que vous puissiez bien le reproduire, imaginons que vous, vous ayez 74 rangs et que comme coefficient, vous vous situiez ici. Hein, quand vous avez fait votre rapport ici, vous êtes sur cette partie-là de la liste. Ça m'étonnerait vraiment parce qu'en jersey, ça ne me semble pas possible, mais bon, c'est pour faire une petite démonstration. Eh bien, je fais 74 divisé par 5 que multiplie 4. Hop. 74 divisé par 5 que multiplie 4. Et j'aurais dû relever 59 mailles. Voilà, à mon avis, vous êtes tous ici, logiquement. Ok, donc 2 mailles de plus, 2 mailles de moins, c'est pas très grave. Ce qu'on peut faire éventuellement, si vous savez le faire, c'est sur le premier rang de points mousse que vous allez tricoter, eh bien vous pourriez rajouter les mailles et les 2 mailles qui vous manquent, ou la maille qui vous manque, ou bien au contraire diminuer d'une maille ou deux, parce que vous voulez vraiment tomber exactement sur le bon nombre de mailles à relever. Là, c'est vous qui voyez, personnellement, je ne vais pas le faire. Ça ne me dérange pas du tout qu'il y ait 2 mailles en moins. Pour une raison très simple, c'est que ça peut venir resserrer très légèrement la manche, mais ce n'est pas un problème parce que précisément c'est une manche. Si par contre j'avais eu 3 mailles de trop, là je pense que sur le premier rang je serais venu diminuer 2-3 mailles parce que avoir la manche qui s'évase un peu, ce n'est pas forcément l'idéal. Et encore que je suis en train de réfléchir, si j'avais des mailles en trop, c'est peut-être au niveau de la couture que j'aurais pu bidouiller, c'est-à-dire qu'au moment où je viens coudre, je fais une couture plus épaisse au niveau de la partie point mousse. Pour rétrécir un peu la partie point mousse. Bon, bref, il y a toujours des solutions. Là, en l'occurrence, je ne touche à rien. Alors, quand on vient relever des mailles, vous voyez, il y a forcément un petit calcul à faire. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que votre premier rang sera toujours sur l'envers du travail. Et ça, c'est assez inhabituel parce que généralement, les rangs impairs, 1, 3, 5, 7, etc., sont toujours des rangs sur l'endroit du travail. Là, ça n'a pas d'importance parce qu'on est au point mousse. Donc de toute façon, rang pair, rang impair, on tricote toujours tout à l'endroit. Cela étant, pour les autres fois où vous aurez à relever des mailles et que vous ne faites pas du point mousse, pensez bien à ça. On fait le rang numéro 1 et tous les rangs impairs, on sera sur l'envers du travail. Bon, ici, on s'en moque. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va tricoter du point mousse. Donc moi, j'ai décidé de tricoter 6 cm, c'est-à-dire les 3 cm de manche que je n'avais pas inclus dans mes calculs au départ. Plus 3, voire 3,5 cm d'ailleurs, parce que je souhaite retourner mes manches. Alors là, il y a plusieurs solutions. Quand, ici, on n'a pas besoin d'échantillon. Hein. On est dans la hauteur. Je suis en train de calculer en même temps que je vous parle. Ce que je veux dire, c'est que là, on a deux solutions. La première, c'est de tricoter et puis de s'arrêter à 4, 5, 6, 7 cm. Je ne sais pas quelle hauteur de point mousse vous voulez. La deuxième que je préfère, c'est de calculer à l'avance le nombre de rangs que ça devrait nous prendre et de comptabiliser le nombre de rangs qu'on tricote. Cette solution-là nécessite un tout petit calcul, mais par contre, elle a deux avantages. Le premier, c'est que je trouve que quand on mesure avec notre petit mètre de couturière, ce n'est pas toujours très précis. Et dans du point mousse, là. Alors attends, j'ai 34 mailles pour 10 cm a priori. Ça veut dire que un rang, pas 34 mailles, 34 rangs pour 10 cm. Donc un rang fait à peu près 3 mm de hauteur. Ben, il est évident que quand on vient mesurer avec notre petit mètre de couturière, ce n'est pas forcément super précis. Et ce qui se passe, c'est que on n'est pas sûr de mesurer très exactement la même chose sur la deuxième manche. Moi, je préfère calculer à l'avance le nombre de rangs que ça va me prendre. Et puis comptabiliser mon nombre de rangs. Je trouve que c'est plus simple. Tout en tricotant, je suis arrivée à la fin de mon rang et vous voyez que ma dernière maille est très lâche. C'est normal, elle correspond au fil perdu du début. Donc forcément, je tire un petit peu dessus, je fais attention que ça lâche pas. On va le faire, le petit calcul. Je vais vous montrer comment calculer très simplement le nombre de rangs qu'il faudrait que je fasse pour faire mes 6 cm. Bon, on va venir gratter un petit peu sur ce coin-là, il ne me reste plus que ça de libre. Je vous le rappelle, mon échantillon est de 17 mailles, je m'en souviens déjà plus, hein, par 27 rangs.
Je sais, sans avoir besoin de faire d'échantillon, que du coup mon point mousse est approximativement de 17 mailles par 34 rangs, c'est-à-dire deux fois le nombre de mailles. Donc voilà mon échantillon en point mousse pour le nombre de rangs. Moi, je veux tricoter 6 cm. Je le divise donc par 10 et je le multiplie par le nombre de rangs pour du point mousse. Hop, 0,6 fois 34, 20,4. Je suis supposée tricoter 20 rangs de point mousse. N'oubliez pas, c'est un nombre de rangs, donc c'est un nombre pair. Et bien, je vais tricoter mes 20 rangs de point mousse. Et puis, est-ce qu'on se revoit pour rabattre? Non, franchement, je vais tricoter 20 rangs et je vais rabattre. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose sur la deuxième manche, tout simplement. Si tout à coup, j'étais en train de penser à un truc. Si vous avez relevé trop de mailles, je vous disais qu'il valait mieux répartir des diminutions parce que sinon votre manche risque d'être un petit peu trop large et ce n'est pas l'idéal pour une manche. Alors je parle de 2, 3, 4 mailles de trop, hein, je ne parle pas non plus de 10 mailles de trop. Il y a une autre solution aussi qui vous évite de faire des diminutions, c'est tout simplement de tricoter. Donc là, imaginons, je devais relever 37 mailles, j'en ai relevé 40. Je ne veux pas faire de diminution. Eh bien, ce que je peux faire aussi, c'est changer de taille d'aiguille et faire mes 6 cm de point mousse avec des aiguilles une taille en dessous, ce qui fait que ça va venir, comment dire, compenser le fait que j'ai relevé trop de mailles. Par contre, je ne pourrai pas calculer à l'avance le nombre de rangs que ça me prendra, je serai obligée de mesurer, puisque si je change de taille d'aiguille, l'échantillon change aussi, donc ça ne sera pas la peine de venir. J'aurai pas 20 rangs, hein, c'est sûr. J'en aurai plus, 24, peut-être 26, je ne sais pas. Mais ça peut être une solution, pourquoi pas. Changer de taille d'aiguille. Alors du coup, est-ce que ça vaut le coup si vous n'en avez pas relevé assez et de passer à une taille d'aiguille au-dessus? Franchement, s'il vous manque 2-3 mailles, laissez faire et continuez comme ça avec la même taille d'aiguille, sans répartir d'augmentation, sans rien faire, parce que c'est ce qui est, c'est le cas là au moment où je tricote. Si c'est un petit peu large, si c'est un petit peu étroit, je veux dire. C'est pas très grave, ça se resserrera légèrement, mais c'est le bout d'une manche, c'est un peu le rôle aussi des bas de manche, il faut bien le dire. Bon allez, je continue. 20 rangs en tout. En fait, en fait non, c'est, vous le savez, hein, ça arrive régulièrement pendant les tutos, c'est l'heure du café. Donc je vais pas du tout continuer là, je fais semblant. Je finis ce rang et puis dès que mon mari arrive, hop, petit café en terrasse comme d'habitude. À ce soir, demain, je sais pas, et on va attaquer les bandes de boutonnage. Si, trois petites choses quand même. Décidément, j'en finis plus de vous parler. Premièrement, si vous venez bidouiller ici, genre je change de taille d'aiguille, je rajoute 3 mailles, j'enlève 3 mailles parce que j'ai pas relevé le bon nombre ici, méfiez-vous, n'oubliez pas que vous avez une deuxième manche semblable à faire, et il n'est pas impossible que lorsque vous veniez relever les mailles sur la deuxième manche, vous ne soyez pas tout à fait dans le même cas de figure que la première. Donc, on ne se précipite pas non plus, hein, on fait un petit peu attention et surtout, notez bien tout ce que vous faites parce qu'il n'est pas rare de faire une manche à un moment T et puis de laisser l'ouvrage de côté et de faire la deuxième manche 3 mois plus tard et là, vous ne vous souviendrez plus du tout de ce que vous avez bidouillé. Deuxième chose, je voulais vous montrer qu'ici, vous voyez, j'avais donc 2 mailles en moins que prévu. Et on voit un petit peu, alors c'est léger, mais on voit un petit peu que ma manche est un petit peu, le bas de manche, pardon, est un tout petit peu moins large que le reste. C'est pas très grave, c'est ce que je vous disais, ça va venir resserrer un petit peu. Troisième chose, je suis sur le point, donc j'ai fini, j'ai rabattu, je suis sur le point de couper mon fil. Là, je suis sur la partie 1 du tuto, hein, par rapport au tuto 22, vous voyez, je viens de tricoter cette partie-là. Je viens de tricoter, je viens de m'occuper de la manche qui est donc à droite, ouais, c'est ça. Bref, c'était pour vous parler du fil perdu. Quand j'ai débuté mon ouvrage, j'avais gardé suffisamment de fil perdu pour pouvoir venir faire la couture complète du côté et sous la manche. Si ça n'était pas le cas, eh bien c'est ici que je garderai beaucoup de fil perdu pour venir faire la couture sous la manche et éventuellement sur le côté si là vraiment j'avais gardé rien du tout. Moi, c'est pas le cas, donc je garde quelque chose comme 20 et quelques centimètres. Histoire de pouvoir faire, de pouvoir camoufler ce fil aisément dans la couture finale, hop, que je ferai avec le fil perdu, je vais y arriver, du dos. Voilà, première manche qui est faite. Je vais faire un gros plan, je vais vous montrer comme c'est joli là.
Genre, non, mais c'est pas que je me vante, hein. C'est juste que je veux vous montrer que même quand on tricote comme moi, c'est-à-dire pas forcément très bien, on peut faire quand même des choses assez jolies. Donc là, on est venu relever les mailles ici. Donc déjà sur l'arrière, on voit un petit peu le bourrelet que ça fait. C'est là que je viendrai camoufler d'ailleurs mes fils de changement de pelote. Et si on regarde sur l'endroit du travail de plus près, là j'écarte un petit peu, on voit que vraiment mon rang de points mousse vient très exactement coller au jersey. Ça, c'est un signe qu'au moment où j'ai relevé mes mailles, j'ai bien relevé toujours à une maille du bord, c'est-à-dire juste avant ou juste après, ça dépend dans quel sens on se met, mais juste avant ou juste après la maille lisière. Si votre rang de points mousse a tendance à faire des petits zigzags comme ça veut dire que vous avez relevé une fois à une maille de bord et une fois à deux mailles du bord, que vous êtes décalé. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est ça, c'est que quand on arrive à bien relever les mailles à une maille du bord, juste en dessous de la maille lisière, et bien du coup, le point mousse épouse parfaitement le bord du jersey. Voilà, c'était la minute, je me passe de la pommade. Il ne faut pas hésiter, il faut le faire de temps en temps. Hein. Quand vous voyez un truc qui est bien, dont vous êtes fier, et ben, faut s'en vanter. C'est aussi simple que ça fait du bien. Alors on va maintenant passer à la capuche. Donc la toute première chose, c'est que cette capuche, il faut d'abord la tricoter sur la base de jersey, mais il va falloir la faire moins profonde que celle qui est dans le tuto 22, pour une raison très simple, c'est qu'on va venir relever des mailles, faire un petit bord qu'on va retourner. Donc il faut qu'au départ, ce soit un petit peu moins profond. Alors comment faire? Eh bien déjà, vous allez retrouver les calculs qu'il y a dans le tuto 22 pour pouvoir faire cette capuche. Donc là, je vais vous mettre à peu près le minutage. Je crois que c'est 1h32, il me semble me souvenir dans la vidéo. Et vous allez faire très exactement les mêmes calculs avec votre échantillon de jersey. Mais au lieu d'appliquer un pourcentage de 50%, comme je vous le dis dans le tuto 22, vous allez appliquer un pourcentage de 20%. C'est la seule différence. À la place de 50%, vous écrivez 20%, sinon les calculs sont les mêmes. Donc vous allez tricoter cette capuche avec la hauteur indiquée pour votre taille. Ensuite, la plier en deux et faire la couture. Donc soit un rabattage à trois aiguilles comme dans le tuto 22, soit vous faites une couture au point arrière comme je l'ai fait ici. Et vous aurez donc, hop, une capuche beaucoup moins profonde que prévu. On va venir relever des mailles, on va tricoter un certain nombre de rangs pour récupérer ce manque de profondeur. Question, quelle largeur va faire ma bande de capuche, je vais y arriver. Alors c'est pas compliqué, vous venez mesurer la partie que vous avez en jersey et vous rajoutez 45%. Donc ici par exemple, j'ai 13 cm et demi, 13,5 que multiplie 45%, ça me fait 6 cm. Quand j'aurai relevé les mailles tout autour de la capuche, je vais tricoter, enfin ici j'ai tricoté pardon, 6 cm de point mousse. Qu'ensuite je retournerai et de cette façon j'aurai une capuche en jersey avec un bord point mousse qui ne roulotte pas mais qui fait la bonne profondeur. Dans la partie qui va suivre donc, on a tricoté la capuche et on va venir calculer, voir comment on relève les mailles et on va tricoter cette bande de point mousse. Alors maintenant c'est le moment de venir relever des mailles sur tout le tour de la capuche en commençant ici. Voilà. Et on se trouve dans le cas classique où on vient relever des mailles sur des rangs. Donc on ne va pas refaire le calcul. Maintenant, moi je l'ai fait. Vous aussi, j'imagine. Je sais que je dois relever 2 mailles sur 3. Donc comme on l'a fait pour les bas de manche, comme on le fera aussi pour la bande de boutonnage, eh bien je me mets donc en droit du travail visible. Je regarde la première maille lisière qui est ici. Je me glisse dessous et je vais venir relever. Alors attends, un nouveau fil. Ah oui, je démarre bien sur la capuche. Hein. Là, on voit, punaise, on voit pas les coutures avec cette couleur. Hein. J'ai mal choisi ma couleur, moi. Ici, c'est là où il y a le bourrelet, là où je suis venue relever des mailles pour faire ma capuche. Vous démarrez bien là, hein, bien sûr. Hop! Il est où mon fil? Il est là. Un peu de fil perdu que je viendrai camoufler. Et je viens relever tout simplement une. Je suis en fait. Ça m'agace parce que je suis vraiment très loin de mes yeux là. Avec la caméra, je ne peux pas m'approcher plus. Donc, lunettes ou pas, là, j'y vois franchement que dalle. Hein. Hop, une, deux. Je saute. Voilà, je saute un trou. Puisque je relève 2 mailles sur 3, moi, hein, j'avais un coefficient de 1,5. Une,
2, je saute un trou, etc. etc. jusqu'au bout. Oui, une petite chose encore. Là, c'est la couture au point arrière qu'on a fait, enfin que j'ai fait. Ne sautez pas de maille au niveau de la couture. Prenez bien une maille avant la couture, une maille sur la couture et une maille après la couture, même si c'est le moment, donc moi c'est 2 sur 3, même si c'est le moment de sauter un trou. Là, je vous déconseille de sauter un trou. Hein. Vous prenez bien une maille avant, pendant, enfin sur, et juste après la couture, et ensuite vous reprenez votre rythme normal. Moi, il est de 2 mailles sur 3. Bon, finalement, il s'est passé plusieurs semaines entre le moment où j'ai tourné la séquence sur la capuche et puis maintenant où je reprends le tournage. Voilà, de temps en temps, j'ai pas envie. Et quand j'ai pas envie, je fais pas. Bon, tout ça pour vous dire que j'ai terminé, pardon, la bande de deux points mousse. Alors, je l'ai faite moins large que ce que je pensais faire, pour une raison très simple. C'est que je me suis rendu compte que ben, je ne trouve pas. Normalement, j'ai encore du fil qui traîne quelque part, je ne mets pas la main dessus. J'ai peur de ne pas en avoir assez pour faire les demi-devants. Du coup, je l'ai faite vraiment largeur minimum. Donc, quand je vais retourner, je vais vraiment venir retourner cette petite bande de boutonnage à la lisière du départ du point mousse. Voilà. Et puis, sur le bas, par contre, quand je viendrai faire ma couture, je la mettrai un petit peu en arrière ici. Voilà. Mais je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Donc pour la bande de point mousse ici pour la capuche, c'est fait. Moins large que ce que je voulais, mais je pense quand même que ça devrait passer. Maintenant, il faut qu'on s'occupe des demi-devants. Alors les demi-devants, on va aussi les faire au point mousse. Si ce n'est que d'un côté, on va poser les boutonnières et de l'autre côté, on va poser les repères pour pouvoir coudre les boutons à la bonne place sans se prendre la tête. Souvenez-vous, hop, c'est là. Lorsque j'avais rabattu mon demi-devant de la première partie, j'avais veillé à ne pas couper le fil et j'avais gardé la pelote au bout, ce qui a été assez pénible parce qu'il faut en fait l'accrocher à l'ouvrage pour pouvoir faire le reste. L'avantage qu'il y a, c'est que maintenant je suis prête à démarrer pour venir relever des mailles, surtout le demi-devant, pour faire ma bande de boutonnage. Et j'aurai donc un fil de moins à rentrer, ce qui n'est pas négligeable. Alors, si ce n'est pas le cas pour vous et que vous avez coupé le fil, c'est pas grave, vous prendrez un nouveau fil pour venir relever vos mailles et faire votre bande de boutonnage. Donc, nous voilà ici. Il s'agit de relever des mailles sur toute la totalité du bord et ensuite de venir tricoter la bande de boutonnage. Pour relever les mailles, première chose, il faut savoir combien de rangs on a en tout. Donc ça, je vais vous montrer comment je sais combien de rangs j'ai en tout. Donc si je regarde sur mon schéma, hop, ça correspond à ça. 16 rangs ici, ça c'est d'après mes calculs. Si je me mettais sous la caméra, ça irait mieux. Voilà. 16 rangs ici, plus 36 ici. Plus 8 rangs là. Donc ça donne 16 plus 36 plus 8. Donc 52 rangs de jersey et ici j'ai 8 rangs de point mousse. Alors du coup, pour relever les mailles sur la partie jersey, on va utiliser le même coefficient que ce qu'on a utilisé jusqu'à maintenant. Donc rappelez-vous, j'ai divisé le nombre de rangs de mon échantillon par le nombre de mailles. J'ai trouvé un chiffre que j'ai comparé à cette liste. Ça se rapproche de 1,5, donc je viendrai relever 2 mailles sur 3. Pour la partie point mousse, en revanche, c'est un petit peu différent. Alors, d'une manière générale, sur le point mousse, on relève des mailles un rang sur deux. Et vous allez voir, c'est facile à repérer puisque le point mousse, ça forme des barres et il suffit de sauter une barre à chaque fois, il n'y a pas de souci. Mais je vais vous dire comment je l'ai trouvé. Ça, c'est mon échantillon en jersey. Ça signifie qu'en point mousse, sans avoir besoin de le tricoter, je sais que le nombre de mailles est le même qu'en jersey. Et que le nombre de rangs est le double du nombre de mailles. Le point mousse, c'est comme ça, c'est à peu près deux fois plus de rangs que de mailles pour 10 cm. Donc voilà mon échantillon théorique du point mousse. Je divise ensuite 34 par 17, c'est-à-dire le nombre de rangs par le nombre de mailles, comme je l'ai fait tout à l'heure pour avoir mon coefficient en jersey, et je trouve 2. 2, c'est ici. Je relève donc une maille sur deux rangs. Voilà comment on fait. Donc on va commencer par faire un petit peu nos calculs. La première chose que je veux savoir avant de relever mes mailles, c'est combien je suis supposée en relever. On verra ensuite combien on en relève en réalité. Vous savez que parfois, les choses sont un petit peu plus difficiles à faire que la théorie. J'ai donc 16 plus 36 rangs. Ici, sur la partie jersey, j'ai 52 rangs. Et mon coefficient est de 3 sur 2. D'accord? Je relève... Et 2, non, 2 sur 3, je me disais bien aussi, c'était bizarre. Je relève 2 mailles tous les 3 rangs.
Donc je divise 52 par 3 et je le multiplie par 2. 52 divisé par 3 multiplié par 2, ça nous fait 34,66. On peut arrondir à 34, on peut arrondir à 35, ça n'a pas d'importance. Moi, je vais arrondir à 34. Donc, je suis supposé relever 34 mailles sur la partie jersey. Sur la partie point mousse, j'ai 8 rangs. C'est ce que j'ai calculé, c'est ce que j'ai tricoté, effectivement. Donc là, mon coefficient est de 1 sur 2. Donc, je divise tout simplement 8 par 2 et je vais relever 4 mailles sur la partie point mousse. 34 mailles plus 4 mailles, je suis supposé relever 38 mailles. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais les relever, ces mailles, je vais voir combien j'en trouve et puis on va voir comment on fait. Alors là, un gros plan avec pas mal de lumière pour qu'on y voit bien. Donc nos rangs de point mousse sont ici. Et vous savez qu'une barre de point mousse correspond à deux rangs. J'ai une barre ici, une barre là, une troisième et une quatrième. Donc relever une maille pour deux rangs, c'est venir relever une maille entre chaque barre de point mousse. Ici, j'ai la petite bordure, c'est le rabattage de mon demi-devant, hein, quand j'ai terminé ma première partie. Il va falloir que je relève une maille tout de suite après. Je n'ai pas vraiment le choix, sinon ça va faire un décalage. Donc je vais relever une maille ici. Je saute la barre de point mousse, une ici, ça fait deux. Barre de point mousse, trois. Barre de point mousse, quatre. Ensuite, je vais sauter la barre de point mousse et je vais venir relever une maille tout de suite après. Hop, juste après la maille lisière. Et là, je suis sur la partie jersey. Donc, comme d'habitude, je vais venir relever deux mailles sur trois rangs. Une, deux, je saute la troisième. Une, deux, je saute la troisième, etc. Alors, l'objectif, effectivement, c'est de se tenir le plus près possible du bord pour relever notre première maille. Donc, c'est un petit peu compliqué parce que le fil sort de cette petite boucle. Moi, je rentre dedans. Il va falloir tirer un petit peu. Pas toujours évident. Voilà, de choper la première. Ok, c'est fait. Là, j'ai ma barre de point mousse. Donc, je fais entre les deux barres de point mousse. Et je relève ma deuxième maille. Ma troisième. Et ma quatrième. Voilà, j'ai relevé quatre mailles sur ma barre de point mousse. Maintenant, je passe au jersey. Et comme d'habitude, une. Deux peut-être. Deux, voilà. Je saute le troisième trou et je vais dans le suivant. Une. Deux. Je saute, je vais dans le suivant. Allez, je continue comme ça jusqu'au bout. La seule chose, c'est que arrivé au bout du bout, pensez bien à relever une maille vraiment, quitte à en rajouter une de plus, venez bien relever au bord, à la dernière maille ou le dernier rang où vous pouvez relever. Voilà, pour pas qu'il y ait de décalage ici. Voilà qui est fait. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai relevé très exactement le nombre de mailles que j'étais supposée relever, c'est-à-dire 38. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un rang de point mousse pour rien. Pour une raison très simple, c'est que vous savez que quand on relève les mailles, on se retrouve sur l'envers du travail. Et je n'ai pas envie que les rangs impairs soient sur l'envers du travail. Donc je fais un rang de point mousse pour rien. Et c'est sur ce rang que vous allez pouvoir en profiter pour éventuellement rajouter une ou deux mailles ou enlever une ou deux mailles en fonction du nombre de mailles que vous avez relevées, puisqu'il est possible que vous n'ayez pas réussi à relever exactement le nombre de mailles qu'il vous faut. Bon, moi le problème ne se pose pas, j'ai 38 mailles, donc je tricote ce rang de point mousse pour rien pour me retrouver sur l'endroit du travail au moment où je vais faire donc ce qui sera dorénavant mon premier rang. Voilà qui est fait. Je suis donc sur l'endroit du travail pour faire mon premier rang. Alors ce qui se passe maintenant, c'est qu'il va falloir qu'on fasse la répartition des boutonnières sur le nombre de mailles. Donc là, ça va être assez simple puisqu'on sait combien de mailles on a. En revanche, il faut qu'on sache combien de rangs. Hop. Va faire notre bande de boutonnage pour pouvoir répartir les boutonnières dans la hauteur et savoir combien de rangs il y aura entre chaque boutonnière. Alors si je prends mon patron ou le patron où j'ai fait les calculs, je ne vais pas pouvoir me servir du calcul que j'ai fait ici, qui est de 17 mailles. Donc il y a 3 mailles, j'ai 20 mailles en tout, 3 mailles pour le petit retour qu'on trouve là, et 17 mailles pour la bande de boutonnage. Pourquoi? Parce que maintenant, on se trouve dans ce sens-là. D'accord? On va tricoter des rangs. Ici, le nombre que j'ai là, c'est le nombre de mailles. Donc, c'est plus possible d'utiliser
ce chiffre-là. Ce qu'il faut faire, c'est venir chercher la largeur, la hauteur de la bande de boutonnage. Donc ça, c'est sur le patron initial que vous le trouvez. Vous avez la largeur totale ici. Vous avez la largeur du petit retour, donc de 2 cm à 2,5 cm. Et de cette façon, vous avez pu déduire, au moment de vos calculs, la hauteur ou la largeur. Je ne sais pas comment on peut dire. Initialement, c'est une largeur et maintenant, c'est une hauteur. Mais bon, bref, de votre bande de boutonnage. Donc moi, j'avais, hop, bougeons pas. En taille 6 mois, je suis venue relever ce chiffre ici, ce nombre ici, 11 et demi. 2 cm pour le petit retour et 9 cm et demi pour ce qui était ma largeur de boutonnage et qui va devenir ma hauteur de bande de boutonnage. Donc moi, j'ai 9 cm et demi. C'est donc à vous de trouver combien de centimètres vous avez de là à là et ça vous donnera votre hauteur. Alors, J'ai là, je donc trouve. 38 mailles ici pour toute cette partie-là. Et je sais que j'ai 9,5 cm pour la hauteur. Ben, je vais le dessiner, hein, tout simplement. Voilà, comme ça. 38 mailles ici, c'est ce que j'ai sur mes aiguilles. Et ici, 9,5 cm. Donc je divise ce 9,5 cm par 10, ça me donne 0,95. Il faut donc que je calcule le nombre de rangs, mais avec le point mousse. Donc rappelez-vous, en jersey. Mon échantillon est de 17 x 27. Donc en point mousse, mon échantillon, sans que j'aie besoin de le faire, est de 17 x 34. 2 x 17, ça fait 34. Je multiplie donc 0,95, hop, par 34. 0,95 x 34, et je trouve 32,3. Autant dire 32 rangs. Donc j'arrondis évidemment à un nombre pair. Alors évidemment pour la répartition et le positionnement des boutonnières, vous faites bien un petit peu comme vous voulez, mais en gros l'objectif va être de ne pas mettre de boutons sur le bas de l'ouvrage, de ne pas les mettre non plus trop au bord pour que ça ne se déforme pas trop quand on va venir boutonner et déboutonner. Donc en gros, moi ça donne ça. Hop. Voilà, on essaye de garder quelque chose qui nous semble à peu près proportionnel, à peu près pas trop mal placé. Pour les calculs de la bande de boutonnage, je le reprends avec vous parce que je sais que c'est un petit peu pénible de retourner dans le tuto 22 lui-même pour revoir la totalité des calculs. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce qui me concerne, il y a toute une partie ici de 10 mailles où je ne vais strictement rien faire. Ça veut dire que ma répartition de boutonnière va se faire sur 28 mailles. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que le bouton, la boutonnière, c'est le jeté. C'est le jeté qui fait le petit trou. L'autre chose à savoir, c'est que chaque fois que vous voulez faire une boutonnière, vous avez besoin de 2 mailles. On fait à chaque fois un jeté, donc on rajoute une maille et c'est ce qui fera le trou. Et ensuite, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà, donc pour que ce soit plus clair, je vais les noter, ces 28 mailles. Donc je commence, on va tricoter en commençant comme ça. Donc la première maille après, alors attends, bougeons pas. Ici on mettra un marqueur, hein, de cette façon on saura à peu près où on campe. C'est-à-dire que je mettrai un marqueur, je laisse 10 mailles tranquilles, je mets un marqueur et je sais que ma bande de boutonnage commence après le marqueur. Donc déjà je commence par noter toutes mes mailles. Ensuite, je sais que pour faire un bouton, il me faut un trou, je veux dire, un jour, on va appeler ça, il me faut 2 mailles. Et je sais que le premier jour commencera directement après mon marqueur. Donc la maille 1 et la maille 2, je vais m'en servir pour faire une boutonnière. Le dernier ici, je ne veux pas le mettre complètement au bord, donc je vais laisser 2 mailles de libre et je ferai la dernière boutonnière à ici, à 2 mailles du bord. Donc ensuite, je compte le nombre de rangs qui me reste entre les deux. De là à là, j'ai 22 mailles. Je vais devoir en utiliser 2 pour faire le jour pour le bouton. Il me restera donc 20 mailles à répartir, 10 d'un côté, 10 de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur la 13e et la 14e, je viendrai faire le jour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est bon. Ça passe. Donc maintenant sur le nombre de rangs.
Sachant que le premier rang de points mousse que j'ai fait pour me mettre à l'endroit du travail, je ne le compte pas. Par contre, je penserais bien faire la même chose pour le deuxième demi-devant, hein, la deuxième bande de boutonnage. Donc, je ne veux pas faire mes boutonnières tout de suite sur le premier rang. Je vais donc laisser deux rangs avant de faire mes boutonnières. Les boutonnières elles-mêmes vont me prendre deux rangs. Donc, pareil en face. Je veux m'arrêter à deux rangs du bord. Il y aura en plus le rang de rabat, donc ça fera trois rangs en réalité, mais donc deux rangs du bord. Deux rangs pour faire mes boutonnières. J'en ai 32, moins 8, il m'en reste 24. J'aurai donc 24 rangs, hop, entre les deux. Ça me fait, je tricote deux rangs. Ensuite, sur les deux rangs suivants, je fais les boutonnières. Je tricote 24 rangs. Sur les deux rangs suivants, je fais les boutonnières, je tricote encore deux rangs où je ne fais rien et je rabats. Donc, première chose avant de démarrer, rappelez-vous, je mets un marqueur après les 10 premières mailles. 2, 2, 4, 6, 8, 10. Voilà. Je mets ce marqueur que je ferai suivre. Il me reste donc 28 mailles ici qui correspondent à ces 28 mailles-là. Je tricote donc d'abord deux rangs de points mousse. Voilà qui est fait. J'ai changé de taille d'aiguille parce qu'elles sont plus courtes et comme je tricote sur la table, c'est quand même plus facile. Donc, oui, une chose. Ici, notez le nombre de mailles que vous avez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça sera quand même beaucoup plus simple. J'en ai 10. Donc, je fais une boutonnière, 10, une boutonnière et évidemment, a priori. J'espère que vous arriverez à faire de façon symétrique, hein, mais c'est pas toujours évident à calculer. Ok, donc je commence par tricoter mes 10 premières mailles de points mousse. Donc toutes mailles à l'endroit. Voilà. Je passe mon marqueur qui doit rester en place tout le long. Je suis ici, je dois faire une boutonnière. Donc pour la boutonnière, je dois d'abord faire un jeté. Un jeté, c'est le fait de rajouter une maille en entourant l'aiguille. Quand on veut faire un jeté, il faut toujours qu'on se pose la question suivante, d'où part mon fil et où est-ce qu'il doit arriver? Mon fil est derrière parce que je suis sur des mailles en droit et il doit arriver derrière parce que je continue avec des mailles en droit. Forcément, je suis au point mousse. Donc je vais passer entre les deux aiguilles et le ramener sur l'arrière. Et là, vous voyez, je viens de rajouter une maille et mon fil est sur l'arrière, prêt à tricoter. Si je reste comme ça et que je tricote, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais rajouté une maille. Donc certes, j'aurais un jour un petit trou pour le bouton, mais j'aurais surtout une maille en plus. Donc pour compenser, je tricote les deux mailles suivantes ensemble à l'endroit. Donc là, je viens d'augmenter d'une maille et en tricotant les deux mailles ensemble à l'endroit, je vais enlever une maille. Donc je tire un petit peu dessous, je passe mon aiguille dans les deux mailles et je tricote ma maille tout à fait normalement. Voilà. C'est fait. Donc maintenant, je tricote 10 mailles à l'endroit. 9 et 10 pour contrôler si vous avez bien tricoté vos 10 mailles, parce que ça peut, voilà, vous pouvez être interrompu. Donc là, j'ai le jeté, ma boutonnière. J'ai le marqueur et je fais ma boutonnière. Donc ici, j'ai le jeté. Ça, je ne le compte pas. Ici, j'ai ce qui me reste de mes deux mailles ensemble. Donc je ne le compte pas non plus. Je compte les suivantes. 2, 4, 6, 8, 10. C'est bon. Je suis ici, je dois faire ma boutonnière suivante, mon filet derrière, je le passe entre les aiguilles et je le ramène derrière, prêt à tricoter. Puis je tricote deux mailles ensemble. Voilà, maintenant je tricote 10 mailles. 9 et 10, je viens de faire toute cette partie, j'arrive ici, mon filet derrière, entre les deux mailles. J'ai donc fait mon jeté, je tricote deux mailles ensemble à l'endroit et je termine sans surprise par hop, deux mailles à l'endroit. Voilà le rang numéro, donc je suis sur le rang numéro 3 du coup, hein, puisque j'avais fait d'abord, hop, c'est par là, deux rangs. Donc là, je viens de faire mon rang numéro 3. Je tourne et je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Alors, ce qui va faire que le jeté va se transformer en petit jour qui nous permettra de passer les boutons, c'est que justement, ce jeté, on va le tricoter comme une maille normale. Le voilà, le jeté. C'est une maille qui est tout à fait particulière. Elle n'est pas tenue comme les autres mailles, forcément. C'est juste un fil entouré autour de l'aiguille. Eh bien, je le tricote normalement et vous voyez, ça fait un trou. Voilà, donc je fais mon rang numéro 4, c'est-à-dire le deuxième rang consacré aux boutonnières.
Et puis, on se retrouve après. Je vais peut-être vous montrer le jeté suivant. Enfin, ça n'a pas tellement d'intérêt. Enfin, si, ça a un intérêt, c'est que ça me permet de vous montrer une fois de plus que... Ah ben là, déjà, mes deux mailles ensemble. Ça, c'est ce qui reste de mes deux mailles ensemble. Vous voyez, ça fait une petite boule dessous. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais mes boutonnières sur un rang impair, de sorte que cette petite boule soit sur un rang pair, donc sur l'envers du travail. Vous voyez, c'est pour ça. Et là, ça vous permet de voir que si ce jeté, je le tricotais par le brin arrière, c'est-à-dire torse. Vous trouverez des explications qui vous disent de tricoter le jeté par le brin arrière et non pas normalement par le brin avant. Eh bien, ça ne ferait pas de petits trous, ça ferait juste que ça rajouterait une maille, mais sans petits trous, ce qui peut être très utile dans certains ouvrages. Allez, je termine ça, et puis on regarde ce que ça donne. Voilà. Je retourne. Et vous voyez, enfin, je vais peut-être y arriver. Et les voilà, les petits jours. Il est où le dernier? Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que j'en avais oublié. Ok. Donc maintenant, je tricote 24 rangs au point mousse. Voilà, j'ai tricoté mes 24 rangs de point mousse tout droit sans rien faire. Et donc maintenant, j'attaque les deux rangs pour faire les boutonnières. Et du coup, je fais exactement la même chose que pour le bas. Donc je commence d'abord par tricoter les 10 premières mailles avant mon marqueur. Je passe mon marqueur. Hop, ensuite le jeté. Hop, deux mailles ensemble à l'endroit. 10 mailles à l'endroit. 9 et 10, ma boutonnière. Un jeté. Deux mailles ensemble à l'endroit. 10 mailles à l'endroit aussi. Enfin, de toute façon, c'est toujours à l'endroit, je ne sais même pas pourquoi je le précise. 2, 9 et 10. Il me reste effectivement 4 mailles. Hop là. Avant la fin de mon rang, un jeté. 2 mailles ensemble à l'endroit. Les deux dernières mailles. Ensuite, je fais le rang numéro 2. Tout à l'endroit et je tricote mes jetés tout à fait normalement. Je termine mon deuxième rang. Maintenant, je fais deux rangs tout à l'endroit et je rabats ensuite. Alors, je rabats souplement, je veux dire par là, sans tirer sur le fil. Éventuellement, même vous pourriez presque prendre une taille d'aiguille, une demi-taille au-dessus, par exemple. Pour que ce soit vraiment rabattu souplement. C'est vrai que moi, j'ai tendance à tirer sur le fil. Et là, le problème, c'est que si on exerce une tension le long de la bande de boutonnage, et ben, ça va se voir. Donc, soit vous arrivez à rabattre sans trop tirer sur votre fil, soit ce que vous faites, c'est que vous prenez des aiguilles un tout petit peu plus grosses pour rabattre toutes vos mailles. On ne gardera pas de fil perdu après avoir rabattu les mailles, juste assez pour pouvoir camoufler le fil dans l'ouvrage. Mais on n'a pas de couture à faire avec, donc on n'a pas besoin de longueur de fil perdu supplémentaire. Ok, voilà qui est fait, je ne vais pas arriver à parler. Alors, ce fil-là, quand vous allez le camoufler, c'est-à-dire vous allez venir le faire serpenter au niveau du point mousse, sur l'arrière du travail bien sûr, faites peut-être une petite réparation à l'angle, hein, parce que souvent, quand on a rabattu, sur la dernière maille rabattue, la dernière boucle, ben, c'est pas très joli. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir qu'on fasse le deuxième demi-devant, mais en lieu et place des trous, des jours, des boutonnières, on va venir mettre un petit marqueur de cette façon, on aura la possibilité de coudre le bouton exactement à la bonne place. Donc première chose, sur quel numéro de maille on met le marqueur. Alors on viendra positionner un marqueur, hop, sur la maille quand on tricote dans ce sens-là, sur la maille la plus à droite. Donc moi c'est la maille numéro 1, la maille numéro 13 et la maille numéro 25. Ce que je vous propose d'utiliser, c'est soit des marqueurs qui s'ouvrent, voilà, on viendra le glisser dans la maille, soit éventuellement vous préparez d'avance des petits marqueurs comme ceci, et puis que vous couperez à la fin, juste avant, je veux dire, de coudre votre bouton. Ça dépend du matériel que vous avez.
Donc ensuite, quand on avait fait la première bande de boutonnage, on démarrait par le bas de l'ouvrage pour venir relever les mailles. Là, on est de l'autre côté, donc je tourne mon ouvrage, je suis toujours en regardant l'endroit du travail, mais je démarre juste à côté de la capuche. Donc je vais commencer par relever mes 38 mailles a priori, puis je vais faire un rang de point mousse pour rien, pour me retrouver sur l'endroit du travail, et c'est sur ce rang de point mousse que je ferai peut-être une augmentation ou peut-être une diminution pour le cas où je n'ai pas réussi à relever exactement 38 mailles. L'objectif étant qu'on ait de ce côté le même nombre de mailles que de l'autre. Donc un nouveau fil, je relève mes mailles, je fais un rang de point mousse pour rien sur lequel je vais éventuellement ajouter ou enlever une ou deux mailles. Ok, voilà qui est fait, j'ai fait mon rang de point mousse pour rien et j'ai fait en sorte de bien avoir 38 mailles sur les aiguilles. Rappelez-vous, sur le premier côté, j'avais décidé de laisser 10 mailles en bas de l'ouvrage avant de commencer à faire mes boutonnières. Donc là, je vais compter 10 mailles à partir du bas de l'ouvrage, 2, 4, 6, 8, 10, et je glisse un marqueur que je ferai suivre, puisque l'équivalent de mes boutonnières sur ce côté, je ne vais pas y arriver. Oh, finesse. J'ai peut-être faim, c'est peut-être ça, c'est peut-être un signe, il faut voir. Donc, mes boutonnières, en l'occurrence plutôt mes petits marqueurs pour marquer là où je vais coudre mes boutons, ça se passera par ici. Mais du coup, on n'est pas tout à fait dans le même sens que tout à l'heure. Je vous montre ça. Alors, tout à l'heure, ce n'était pas compliqué. Hop là, on venait tricoter dans ce sens-là. Donc, j'avais mes 10 mailles en début de rang, un marqueur et toute cette partie-là, les 28 mailles sur lesquelles je venais poser régulièrement mes jours. Sauf que là, si je positionne mon ouvrage en face, je m'aperçois que mon marqueur n'est pas de ce côté, mais en fin de rang. Et bien c'est normal, puisqu'on est sur le deuxième côté, donc c'est inversé. Sauf que je veux garder la même organisation, puisque je veux venir marquer les mailles sur lesquelles j'avais fait des jours tout à l'heure. Donc ce que je fais, c'est que je tourne tout simplement mon schéma. Voilà. Et du coup, je serai dans le bon sens pour venir poser un marqueur sur les mailles où il y aura un bouton. Donc là, j'aurai un marqueur ici. Ça sera non pas ma 25e maille, mais ma 4e. 1, 2, 3, 4. Ici, ça ne sera pas ma 13e maille, mais 4 plus 10 plus 1. 15, ça sera ma 16e maille. Et celle-là, ben, ça sera la 28e maille, puisqu'après, c'est les 10 mailles où on ne fait rien. Bon, mes premières choses à faire, rappelez-vous, avant d'attaquer les boutonnières tout à l'heure, j'avais tricoté deux rangs de point mousse, donc je tricote d'abord ces deux rangs de point mousse. Voilà qui est fait. Donc maintenant, je tricote le rang. Là, j'ai deux rangs pour les boutonnières tout à l'heure. Je tricote le premier rang sur lesquels j'étais supposée faire les, comment ça s'appelle, les jours, les jetés, etc. Donc, je tricote tout simplement mon rang pour l'instant. Je mettrai les marqueurs juste après. Voilà, je termine le rang en question. Je le note, histoire de ne pas être perdu. Et avant de tourner, je me mets en position ici pour regarder où je pose mes petits marqueurs. Donc 1, 2, 3 sur la quatrième. 1, 2, 3 sur la quatrième. Et je viens rentrer le marqueur dans la maille. Hop, un petit nœud. Donc mon fil orange est un petit peu long, mais c'est pas très grave. Voilà, donc là j'ai marqué la maille sur laquelle je viendrai coudre un bouton. Ensuite, il y en a 10 plus 1, 11 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc sur la suivante, la 12e. Hop. Ah oui, d'accord. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12e ici. Tac. Et ensuite, celle-ci, elle se situe juste avant le marqueur. Voilà. Maintenant, je tricote mon deuxième rang au point mousse. Hop. Voilà qui est fait. On regarde ce que ça donne. Alors je le marque
histoire de ne pas avoir de doute. Voilà, j'ai mes petites mailles qui sont bien marquées. Et c'est là que je viendrai coudre les boutons. Alors maintenant, j'ai 24 rangs à faire tout droit sans rien faire. Puis de nouveau, les deux rangs sur lesquels je viendrai poser mes petits marqueurs. Ensuite, deux rangs pour que les boutonnières soient un peu éloignées du bord. Et enfin, je rabats et ça sera terminé. Ok, donc là, je suis sur la partie toute droite et je viens de tricoter mon 14e rang. Je vais attaquer le 15e. Ce que je voulais vous montrer, c'est que j'arrive à un moment où je dois changer de pelote. Sur cette partie-là, je vous déconseille de changer de pelote en début de rang sur le bord de l'ouvrage parce que ça va être difficile à camoufler parce que précisément c'est le demi-devant. Donc moi, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je viens tisser le fil derrière. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est possible uniquement si vous êtes en train de tricoter un rang impair puisqu'il s'agit de le camoufler, de tisser le fil pardon, sur l'arrière du travail. Donc quand le fil est côté envers. Et que cette méthode, moi, je l'utilise plutôt quand je fais du point mousse. Je trouve que c'est invisible avec du point mousse. Je trouve que c'est un peu plus visible avec du jersey. Voilà, mon fil se termine. D'ailleurs, j'ai peut-être même tricoté une ou deux mailles de trop. Voilà. Donc, je me mets à quelques rangs du bord. Et avec la maille suivante, je vais la tricoter à la fois avec mon fil terminé et à la fois, si j'y arrive, avec le début de la pelote. Voilà, donc ici j'ai une maille qui est constituée de deux boucles. L'important, ça sera sur le retour de bien tricoter une seule maille et pas deux. Sinon, on va en rajouter une. Donc, les deux petits fils perdus ici, le fil de la pelote. Avant de tricoter avec le fil qui mène à la pelote, je fais passer les fils perdus par-dessus et je tricote. Suivante, pareil. Et je fais ça comme ça sur quelques centimètres. Ce qui permet au fil de se tisser sur l'arrière. Alors pour l'instant, je ne tire pas trop sur mes fils perdus pour ne pas créer de tension inutile. Mais de toute façon, je reviendrai dessus quand j'aurai terminé le rang retour pour que ce soit ni trop lâche ni trop serré. Donc je continue comme ça sur quelques mailles, sur quelques centimètres. Voilà, et quand j'estime que j'en ai assez fait, je continue à tricoter tout à fait normalement. Je termine mon rang. Voilà, je termine le rang. Et sur le rang suivant, je vais le tricoter, puis je vais m'arrêter là où précisément il y a les deux mailles en question, hein, qui n'en font qu'une en réalité. Donc je tricote tout ça, et puis on se retrouve après. Donc là, je vais arriver sur la fameuse maille qui est double. Elle est ici. Vous voyez, elle est constituée des deux boucles. Une avec le fil perdu, l'ancien fil perdu, et une avec le nouveau fil. Je tricote bien ces deux boucles ensemble, de sorte à ne pas rajouter une maille. Et je termine mon rang. Alors voilà ce que ça donne sur l'envers du travail. Donc je vais tenir à la base ici, et je vais tirer un petit peu sur les fils, un après l'autre, un et deux. Et puis je vérifie sur l'arrière qu'il n'y a pas trop de tension, que c'est ni trop tiré ni pas assez. Voilà, si je tourne, ça sera peut-être plus simple. Donc là, on voit un petit peu une petite boucle. C'est là où j'avais mes deux mailles ensemble. Ça veut dire qu'il y a un des deux fils qui n'est pas suffisamment tiré. Donc, c'est pas le bon, c'est l'autre. Voilà. Ok, bon, ben c'est bon. Allez, je viens de terminer. Ouh là, je fais tout bouger. Le 16e rang, et ben je vais jusqu'à la fin. Et je vous montre tout ça. Ça y est, j'ai fini. Alors, et ben voilà, avec les petits repères pour coudre les boutons. Bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai plein de fils partout à rentrer, dont chaque fois c'est possible, dans les coutures. Ici, quand ça n'est pas possible, on vient serpenter un petit peu sur l'arrière du travail. Pareil de ce côté. Tiens, là, c'est le raccord de deux pelotes que j'ai fait là il y a quelques minutes. Quand j'ai tissé les fils sur l'arrière, je peux couper. Il me reste la couture de la capuche à faire. Donc, comme elle n'est pas très large, ma bande de point mousse, je vais venir coudre à peine retournée, tout juste, parce que sinon, elle ne sera pas assez profonde, tout simplement. Donc, je ferai un petit point de couture ici. Et puis là, ça viendra en s'élargissant vers le bas. Voilà.
Bon, pas mal de, oui, pas mal de petits trucs. J'avais déjà fait les coutures au point arrière sur les côtés, donc et dessous les manches, donc ça c'est bien. Quand on rabat, ça fait toujours une espèce de petit truc qui dépasse là. Profitez-en pour faire du cache-misère quand vous rentrez le fil ou quand vous faites la couture. Et puis bien sûr, ce que je vraiment, mais alors je déteste ça, coudre les boutons que j'ai pas encore choisis d'ailleurs. On va voir ça. Bon, ben finalement, faut pas désespérer, j'ai cousu les boutons, j'ai pu les choisir et j'ai pu les coudre. Là, j'ai fait quelque chose qui ressemble un petit peu à du ton sur ton, alors que sur la déclinaison rouge que je vous ai montré en début de tuto, j'avais mis des petits boutons qui ressortent un peu plus, mais bon, là, ça me convient bien. Alors, là, j'ai bien fait mon petit point de couture en retournant la bordure de point mousse, mais qu'à moitié, ce qui fait que du coup, je n'ai pas mes 18,5 cm tels que prévu. J'en ai à peine 16, alors ça me contrarie un peu, mais j'avais pas envie de laisser, enfin, j'aurais peut-être dû, remarque, ne pas retourner du tout la bande de point mousse. Rappelez-vous, la bande de point mousse, elle n'est pas assez large parce que j'avais pas assez de fil. J'arrive pas à mettre la main sur la dernière pelote que j'avais. Alors, comme mon point est assez léger, éventuellement, je proposerai à la maman, si elle trouve que la capuche n'est vraiment pas assez profonde, eh bien tout simplement de couper. J'ai mis trois points exactement. Un ici, un là et un au milieu, pour que la capuche récupère sa profondeur initiale. Voilà, sinon j'ai rentré tous mes fils. Enfin, j'ai été bien sage, hein. J'ai tout fait d'un coup. Ça m'a pris au moins plus de deux épisodes de je ne sais pas quelle série d'ailleurs. Ça prend du temps, hein, l'air de rien. Les finitions comme ça. Bon, on fera le bilan de tout ça plus tard. Alors pour celui-ci, j'ai pris les choses un petit peu différemment. J'ai décidé de venir tricoter ce paletot très exactement comme le tuto 22, mais de venir insérer aux endroits critiques où je ne veux pas que ça roulotte. Une sorte de point fantaisie qui mélange le point mousse et le jersey. Donc la base est toujours en jersey. Et à certains endroits, j'ai mis ce point fantaisie ici, au niveau des bas de manche et au niveau des bandes de boutonnage qui se trouvent devant. Pour le bas, d'un côté, et pour... Alors faut que je pousse la table parce que voilà, on ne voit pas. Et pour le bas ici, je me suis contentée de faire une bande de point mousse puisque... Dans ce sens-là, on n'a pas de problème de tension. On a de problèmes de tension que si on vient mettre du point mousse sur un même rang que sur du jersey. Là, il s'agit de tricoter d'abord du point mousse et après du jersey, donc le problème de tension ne se pose pas. Et ça ne roulotte pas, bien sûr. Alors, ça ne demande pas plus de calcul que le tuto 22. C'est très exactement les mêmes calculs. Ce qui le différencie d'ailleurs de la déclinaison violette, où là, pour le coup, on a pas mal de calculs à ajouter. Mais par contre, ça demande une super organisation. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment moi je me suis organisée, de sorte que vous puissiez à votre tour trouver la méthode qui vous aidera à pouvoir le tricoter en faisant le moins d'erreurs possible. Parce que quand on insère un point fantaisie à certains endroits au sein même d'un rang, ben c'est un petit peu compliqué quand il faut en plus qu'on façonne, hein, on a quand même les manches, on a quand même l'encolure, on a quand même la bande de boutonnage avec les boutonnières et en face les repères. Bref, il y a pas mal de choses à faire et c'est à mon avis... Avant toute chose, un problème de concentration et d'organisation. Alors bien sûr, la première chose à faire, c'est d'aller télécharger le patron de ce paletot. Beaucoup éprouvent, enfin, ont des problèmes pour le trouver sous forme de photo sur ma page Facebook. C'est vrai que c'est un petit peu galère. Il faut aller sur la section photo, regarder côté vers les albums et là voir tous les albums et ensuite aller sur l'album déclinaison tuto 22 ou tuto 22 d'ailleurs. Donc mon conseil, c'est plutôt d'aller directement sur mon compte Pinterest, qui s'appelle Tricotouch aussi, évidemment. Vous cliquez sur le tableau 22 ou le tableau déclinaison 22, et puis vous téléchargez ce patron qui est sous forme de photo. Donc je l'ai téléchargé, je l'ai imprimé, et je sélectionne la taille qui m'intéresse. En l'occurrence, moi, je fais 18 mois. Donc je suis venue tout simplement mettre en exergue la taille, les mensurations qui sont pour la taille 18 mois. Bon, mais là, rien de nouveau. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais mon propre patron et je viens y mettre les dimensions que j'ai repérées sur l'autre schéma. Et ensuite, comme d'habitude, j'ai tricoté mon échantillon en jersey.
Je note mon échantillon et je fais tous les calculs de ce patron exactement comme je les ai fait dans le tuto 22. Voilà, après je viens mettre un petit peu des repères au niveau du bas de l'ouvrage ici et ici. Voilà, pour mettre en exergue, alors on ne le voit pas, attends si je tire là, voilà. Pour mettre en exergue la bande de points mousse que je fais sur les devants et sur le dos. Et ensuite, même chose, je viens prendre un repère sur mon patron pour montrer l'endroit où je vais faire le point fantaisie, c'est-à-dire sur les bas de manche et sur la partie bande de boutonnage ici. Alors sur le bas du dos et sur les devants, c'est du point mousse, alors que sur les bas de manche, PF, hein, moi je note, c'est du point fantaisie, ce que j'appelle un point fantaisie, hein, et sur la bande de boutonnage aussi. Alors pour mieux me repérer quand je vais tricoter, je viens mettre sur mon patron les petits marqueurs que je mettrai au moment où je tricote pour penser qu'en début de rang, ça sera le point fantaisie, puis de jersey, du jersey, pardon, et en fin de rang du point fantaisie. Ça, c'est assez important, ça permet quand même de penser qu'à un certain moment, il faut faire quelque chose. Un petit marqueur ici aussi, il aura deux avantages. Le premier, c'est de nous indiquer. Donc ici, on aura un marqueur pour nous dire point fantaisie, jersey, et ensuite point fantaisie. Et le deuxième avantage, c'est qu'il correspond à l'endroit. Donc il y en a un qu'il faudra qu'on laisse en place, et le deuxième qu'on fera suivre. Il va nous indiquer à quel endroit on doit venir relever les mailles pour faire la capuche. Donc il est ici, ce petit marqueur, vous voyez. Et celui-là, je l'ai laissé en place, alors que celui que j'utilise pour tricoter, pour penser à passer du jersey au point fantaisie, c'est un marqueur que je fais suivre tout le long, en fait. Celui-là et celui-là, je le laisse en place. Ça me permet de savoir exactement à partir de quel endroit, si tant est que j'en ai besoin, hein, je dois venir relever mes mailles pour faire ma capuche. Voilà. Ensuite, je vais additionner le nombre de rangs que j'ai en tout. Donc 8, 38, 28, 10, 18, 38, 8, etc. Donc vous comptez le nombre de rangs que vous avez en tout. En l'occurrence, moi, c'est 148 rangs. Donc j'ai 148 rangs, donc je me fais un tableau qui comporte 148 cases. En ce qui me concerne, c'est 148. Donc le tableau, c'est pareil. J'ai appelé ça un tableau de rangs. J'en ai préparé un de 200 rangs. Vous le trouverez pareil très facilement sur le compte Pinterest et un petit peu plus difficilement sur mon compte Facebook. J'ai énormément de questions de gens qui me demandent mais à quoi sert ce tableau? Alors ben déjà, vu que je le dis dans la vidéo, tu vois, ça me... Enfin bon, bref. Mais ça sert à rien en fait. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez le fabriquer vous-même, votre tableau. Moi, je le mets en ligne uniquement pour vous éviter de prendre votre petite règle et votre petit stylo pour le tracer. Mais vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc, en ce qui me concerne, je me suis fait mon petit tableau de 148 rangs. Alors maintenant, je vais délimiter mon patron en 7 zones. Donc la première, c'est pour la bande de points mousse. Je suis en train de regarder mon autre schéma parce que je sais plus. La deuxième, c'est la partie où on tricote tout droit. La troisième, c'est la partie où on vient faire les manches. Donc on rajoute une manche d'un côté, une manche de l'autre. Et ça va jusqu'au début de l'encolure, puisqu'à partir de l'encolure, on va séparer le travail en deux, ne tricoter que la première partie, puis faire la deuxième partie ensuite. Donc la troisième partie est ici. La quatrième zone, c'est toute la partie de l'encolure. Elle se trouve ici. La cinquième zone, c'est la fin de la manche 1. Et en même temps, on attaque la boutonnière, la bande de boutonnage. Ensuite, de nouveau, une autre zone où on est venu rabattre notre manche et on tricote tout droit avec la partie jersey et on continue la bande de boutonnage. Et enfin, une autre zone, la dernière, c'est la petite bande de points mousse tout à la fin du demi-devant. Donc chacune de ces zones a un nombre de rangs. Ma première a 8 rangs, ma deuxième 38, troisième 28, 10 rangs ici, 18 rangs là, 38 et 8. Donc je vais reporter ce nombre de rangs. Donc là si j'ai 8 rangs, et bien la première zone ça sera du rang 1 au rang 8. Là j'ai 38 rangs, donc ça ira du rang 9 au rang 46. Je fais 8 plus 38, ça fait 46. Donc ça, je commence au 9e rang et je m'arrête au 46e rang. Là, j'ai 28 rangs, donc je commence au 47e rang, plus 28, je m'arrête au 74e rang, etc. Ça va vous permettre d'utiliser votre tableau.
Et alors pour que les choses soient plus claires dans mon tableau, ce que je fais, c'est que chacune des zones, je leur donne une couleur. Voilà, j'ai 7 zones avec leurs numéros de rang respectifs et je leur donne une couleur. Ce qui va me permettre de reporter les couleurs dans mon tableau de rang. Vous voyez, en orange de 1 à 8, eh bien, j'ai colorié les cases de 1 à 8. En vert de 9 à 46, j'ai colorié les cases de la 9e jusqu'à la 46e inclus, etc. Et c'est grâce, enfin, vous faites ou vous ne faites pas le code couleur, là, vraiment, c'est vous qui voyez. C'est vrai que c'est un côté un petit peu scolaire, le machin. Mais croyez-moi, à mon avis, ça vaut le coup. Après, vous trouverez votre organisation, c'est juste pour vous donner une idée. Donc voilà, je reporte les couleurs que j'ai mises sur ce patron, je les reporte sur mon tableau de rang. Alors dans ce tuto, bien sûr, on ne se contente pas de tricoter tout droit, il y a des moments où on vient façonner l'ouvrage. Et ce que je vais faire, c'est que je vais repérer les principaux endroits où il y a du façonnage. Le premier façonnage qu'on aura à faire, c'est lorsqu'on va venir rajouter ici les mailles. Le deuxième façonnage qu'on aura à faire, c'est quand on va venir mettre des mailles en attente pour pouvoir faire la profondeur d'encolure. Et ensuite, on aura aussi un façonnage à faire pour rabattre les mailles de la manche. Donc je repère sur quel numéro de rang ça se passe. Sur cette zone-là, c'est du rang 47 à 74. Le façonnage va se faire sur le rang 47 et 48. Donc je repère dans mon tableau les rangs 47 et 48. Hop, je préfère l'autre côté. Ok. Ensuite, il y a un moment donc où je vous le disais, on va mettre les mailles en attente. C'est à ce niveau-là, c'est en début. À la début de cette zone-là, moi, ça correspond au rang 75. Sur le rang 75, je vais mettre, comme dans le tuto 22, là, on est vraiment dans le tuto 22, je vais mettre toutes ces mailles-là en attente pour ne faire que la première partie de l'ouvrage. L'autre moment où je fais un façonnage, c'est quand je viens rajouter des mailles pour faire le petit retour ici, plus la bande de boutonnage. Donc, ça correspond aux deux premiers rangs de cette zone-là, c'est-à-dire le rang 85 et 86 en ce qui me concerne. Et enfin, la dernière zone de façonnage, c'est ici, quand je viens rabattre les manches. Ça correspond aux deux derniers rangs de cette zone, c'est-à-dire le rang pour moi 101 et 102. Voilà, ça c'est juste, quand je vais tricoter, ça va me permettre de me dire, tiens là, j'ai un truc à faire. Ce qui fait qu'avec le tableau et avec le patron, logiquement, on ne devrait rien louper au passage. Alors maintenant, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi ce point fantaisie aux endroits où je ne veux pas que ça roulotte et surtout aux endroits où je ne veux pas qu'il y ait de tension. Donc, je vous rappelle mon échantillon. Il est de 16,5 mailles pour 10 cm par 22 rangs pour 10 cm en hauteur. Sans avoir besoin de faire un échantillon au point mousse, je sais que si je tricotais le même fil avec les mêmes aiguilles, au point mousse, mon échantillon serait aussi à peu près de 16,5 mailles pour 10 cm. Sur le nombre de mailles, le jersey et le point mousse sont très proches. Mais par contre, sur le nombre de rangs, je sais que le nombre de rangs est le double du nombre de mailles, donc 16,5 fois 2, 33. Donc là, ça saute aux yeux. Il faut beaucoup moins de rangs pour tricoter 10 cm en hauteur en jersey qu'il ne faut de point mousse. Alors cette différence d'échantillon signifie une chose tout simple, c'est que si je voulais tricoter du jersey ici et du point mousse sur le devant, donc sur un même rang, ce qui va se passer, c'est que toute cette partie-là va monter moins vite quand je m'accroche que le jersey et ça va créer une tension. Donc oui, ça ne roulottera pas parce que c'est du point mousse, mais ça créera une tension, ce qui fait que la partie, hop, bande de boutonnage sera plus petite que le jersey et ça ne va pas le faire. Alors, sur les bas de manche, c'est jouable parce que la tension va venir resserrer le bas de manche et ce n'est pas un problème. Mais dès que la surface est un petit peu grande, très honnêtement, ça pose de réels problèmes de tension. Donc il faut trouver une autre solution. Alors imaginons que les rangs toutes mailles à l'endroit soient en rouge. C'est l'aller à l'endroit, le retour à l'envers, aller à l'endroit, retour à l'envers. C'est voilà pour le jersey. Là où j'aurai 16,5 fois 22. Pour le point mousse, ces rangs impairs et rangs pairs sont tout à l'endroit et je me retrouve donc avec un échantillon très différent. Et donc l'objectif, ça serait de trouver un point fantaisie qui est le même nombre, qui est le même échantillon pour le nombre de mailles, ça nous convient bien, mais qui est un échantillon pour le nombre de rangs qui soit un intermédiaire entre le jersey et le point mousse. De cette façon, alors évidemment l'échantillon sera un petit peu différent, il y aura tout de même une très légère tension qui va se créer, mais pas suffisante pour que ça se voie.
et en mélangeant du point mousse et du jersey, on va créer un point fantaisie qui nous permettra d'être tricotés sur un même rang, que ça ne roulotte pas et que ça ne crée pas de tension. Donc là, pour pouvoir vous expliquer, je vais recréer quelques rangs ici où je dois tricoter du jersey d'un côté et puis le fameux point fantaisie de l'autre. Ça serait la même chose pour les bas de manche, voilà. Donc je vais faire juste quelques traits pour quelques rangs. Bon, ça ressemble un peu à rien, mais on va dire que c'est pas grave. Donc voilà le rang que je dois tricoter, il est ici et je mets un petit repère puisque je dois passer du jersey au comment ça s'appelle? Au point fantaisie. Donc hop, tout ça en jersey, tout ça en point fantaisie. Donc au moment où je le tricote, je me trouve comme ça, d'accord? Le jersey est en début de rang et le point fantaisie est après le marqueur en fin de rang. Donc de ce côté, jersey, donc un rang droit, le rang 3 à l'endroit, le rang 5 à l'endroit, le rang 7 à l'endroit et bien sûr les retours à l'envers. Ça, c'est du jersey. Bien de l'autre côté, on va juste venir insérer un rang tout à l'endroit là où il ne devrait pas y être. Pour créer ce point fantaisie. Donc, le début, c'est une base de jersey. Donc, je tricote après le marqueur exactement comme avant le marqueur. Mais sur le rang numéro 4, au lieu de tricoter les mailles à l'envers comme je le fais avant le marqueur, je vais les tricoter à l'endroit. Et je ferai ça sur chacun des rangs numéro 4. Et ensuite, je reprends. Je fais comme le jersey. Et le quatrième rang, hop là. Je le tricote à l'endroit. Et c'est parce que tous les rangs numéro 4, je ne tricote pas à l'envers comme avant le marqueur, mais à l'endroit, que du coup, je crée ce point fantaisie qui est un intermédiaire entre le jersey et le point mousse et qui du coup a un échantillon intermédiaire entre le jersey et le point mousse. Et on règle comme ça nos problèmes de tension et nos problèmes de roulotage. Alors ici, bien sûr, c'était après le marqueur puisque j'étais en train de vous donner cet exemple-là. Mais si on est en train de tricoter les bas de manche, c'est avant le marqueur qu'on fait le point fantaisie et après le marqueur qu'on fait le jersey. Et en fin de rang, de nouveau, on est en jersey, puis on a de nouveau un marqueur pour penser à passer au point fantaisie. Donc ça, il faudra bien penser à mettre vos marqueurs pour qu'ils suivent, de sorte à ce que vous sachiez à quel moment vous devez tricoter sur cette partie-là, le rang numéro 4, tout à l'endroit, au lieu de le tricoter à l'envers comme prévu sur le reste de l'ouvrage. Et alors du coup, comme on tricote une base en jersey et qu'on vient faire ce point fantaisie qu'à certaines parties de l'ouvrage sur les rangs numéro 4, enfin tous les 4 rangs, et bien de suite on voit un petit peu mieux l'intérêt de faire un tableau à l'avance parce que tout simplement dans notre tableau, on va venir repérer avant les rangs sur lesquels il faudra se dire, attends, là il faut que je fasse attention, il ne faut pas que j'oublie de tricoter des mailles à l'endroit là où normalement elles sont à l'envers. Donc déjà sur toute la partie basse de l'ouvrage, qui correspond donc à ça, la question ne se pose pas, il n'y a pas de point de fantaisie du tout. Donc on arrive sur cette zone-là, moi ça correspond à la zone jaune des rangs 47 jusqu'au rang 74. Et sur les deux premiers rangs, c'est un moment où je viens précisément faire du façonnage. Donc je me dis que le premier rang de point mousse que je vais faire sur la partie, le premier rang de maille endroit que je vais faire sur la partie point de fantaisie, je ne vais peut-être pas commencer directement là où je fais du façonnage, ça sert un peu à rien. Donc je vais commencer mon premier rang, deux rangs plus loin, c'est-à-dire sur le rang numéro 50. Et ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est compter quatre rangs. 1, 2, 3, quatrième rang. 1, 2, 3, quatrième rang. Et je continue comme ça pour marquer le moment. Non, là je me suis trompée. Tu vois, alors là, franchement, c'est le genre de plan, ça laisse tomber dans un tableau. Il faudra peut-être en faire plusieurs. 1, 2, 3, 4. Et là, je m'arrête à cette zone-là. D'accord? Donc au rang 138 en ce qui me concerne. Pourquoi? Ben parce que sur le bas, c'est que du point mousse, donc je n'ai pas besoin de faire de point fantaisie. Donc en ce qui me concerne, la dernière fois où je le ferai, ça sera sur le rang numéro 138. Donc déjà, le tableau se remplit bien. J'ai les zones où je dois faire du façonnage. Ici, diviser le travail en deux. Ici et ici et ici, faire du façonnage. Et les numéros de rang sur lesquels il faut que je me dise, attention, là, j'ai quelque chose à faire avant ou après les marqueurs, ou les deux d'ailleurs, en fonction de l'endroit où je me trouve.
Il nous reste maintenant à venir mettre tout de même les repères pour les boutonnières, parce qu'il y a des boutonnières à faire. Donc là, je ne reviens pas sur le calcul des boutonnières elles-mêmes, c'est quelque chose que je vois vraiment en détail dans le tuto 22. Il faut simplement maintenant venir les insérer dans notre tableau. Voilà, donc moi, d'après mes calculs, la répartition de mes boutonnières, ça sera sur le rang 91-92, 113-114. Et c'est où? 135-136. Voilà. Et j'ai écrit 136-137. Oh là là! Bon, de toute façon, hein, c'est pas mon vrai tableau puisque je l'ai déjà fait. Et je l'ai déjà tricoté en plus. Donc ça tombe bien. Alors moi, après, j'ai l'habitude quand je tricote de le mettre dans le sens où je tricote. C'est-à-dire que ce tableau, je le mets dans ce sens-là. Et je viens cocher chaque fois que je fais un rang. Donc si on regarde un petit peu, toute la partie jaune rang 1 à 8, je fais du point mousse. Rang 9 à rang 46, rien de particulier, je fais du jersey. 47-48, c'est le moment où je viens faire mon façonnage. À partir du rang 50, je pense à faire mon point fantaisie avant et après les marqueurs. Entre les deux, ça reste donc du jersey. Donc je continue comme ça c'est toute ma zone orange. Au rang 75, c'est le moment où je laisse toutes ces mailles en attente et je ne continue à tricoter que de ce côté, donc la profondeur d'encolure. Je n'oublie pas de continuer à faire mes points fantaisie, donc c'est où, voilà, par exemple sur le rang 78, le rang 82. Sur le rang 85-86, alors là j'ai plusieurs choses à faire. Point fantaisie, je continue. Et là je dois rajouter des mailles pour faire ma bande de boutonnage. Et au même moment, sur le rang 86, je n'oublie pas de tricoter les mailles à l'endroit de ce côté et puis de celui-là aussi. Ensuite je continue et je me souviens simplement de mes points fantaisie. Mais ça y est, hop, les premiers trous, c'est où? Des boutonnières commencent. Ah ben là non, ils sont pas sur ce rang-là de toute évidence. Mais enfin, c'est pas grave. J'ai repéré. Ben oui, ça peut pas être sur le 91-92. Qu'est-ce que j'ai mis? Ça doit être là, mes premières boutonnières. Peu importe. Vous le repérerez vous sur votre. Décidément. Pourquoi est-ce que je l'ai mis sur le rang 91-92 alors que c'est 86-87? Bref. Donc là, il y a un moment où vous voyez, j'ai plusieurs choses à faire. J'ai à rajouter les mailles, venir faire le point fantaisie à la fois sur la bande de boutonnage et à la fois sur le bas de manche. Et très tôt, je viens en plus faire des boutonnières. Puis le rang 101 et 102, en ce qui me concerne, il ne faut pas que j'oublie de rabattre les mailles pour délimiter donc ma manche. Mais j'ai quand même du point fantaisie à faire, donc pas de ce côté puisque c'est le moment où je rabats, mais plutôt de ce côté sur la bande de boutonnage. Et je continue comme ça à tricoter avec mon point fantaisie sur les rangs que j'ai repérés. Et je n'oublie pas de poser. Elles sont où? Eh bien, dis donc, si je trouve pas. Voilà. Et je n'oublie pas de poser mes boutonnières au bon endroit. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que. Et en bas, donc, je tricote au point mousse. Ce qui va se passer après, c'est qu'on est sur la deuxième partie de l'ouvrage. Donc, je redémarre mon ouvrage au rang 75, là où j'ai marqué. Et je continue le rang 75, donc comme dans le tuto, c'est là que je rabats les mailles de l'encolure, puis je continue à tricoter, et c'est la même chose. Je suis très exactement, non pardon, le même schéma, si ce n'est qu'à la place des endroits où j'ai placé les boutonnières, je viens mettre des petits repères, c'est l'endroit où vous viendrez coudre les boutons. J'ai une épingle qui traîne au milieu, là, tu vois, je vais me la planter dans la main. Hop, voilà. Et je fais donc exactement la même chose, je suis mon tableau de la même façon, si ce n'est qu'à la place des boutonnières, je viens mettre des petits repères pour les boutons. Alors là, je suis en train d'enlever l'ouvrage parce que ça va être l'heure du café pour moi. Mais je ne résiste pas de vous montrer mon tableau à moi, celui que j'ai fait pour le tricoter. Donc vous voyez, c'est rapidement le bins, hein, donc il faut, voilà, dans celui que je viens de faire à l'instant, où, tac, il est là. Je barre des trucs, non. Il vaut mieux recommencer le tableau que de barrer des trucs parce que déjà quand on arrive à le faire à peu près comme il faut, c'est vite le bins. Bah tiens, là tu vois, ça c'est barré. Et je pourrais bien passer à côté parce que je l'avais barré avec du crayon papier, ce qui n'est pas une bonne idée du tout. Enfin voilà. Donc si votre tableau ressemble à rien, c'est normal. Hein, il y a tellement d'informations à mettre dedans que eh ben, du coup, on n'a pas vraiment le choix. Après, peut-être que vous déciderez tout simplement de ne vous servir que de votre patron et puis de le suivre le plus simplement du monde et que vous vous souviendrez,
que tous les rangs numéro 4 à partir d'ici. Il va falloir faire un point fantaisie. Là, c'est vous qui voyez. Alors, je vais boire mon petit café, bien sûr. Et puis après, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à la capuche. Alors, sur la capuche, deux choses. Je vous la montre parce qu'il est possible que vous ne sachiez pas à quel endroit placer le point fantaisie. Tout simplement parce que lorsqu'on vient relever des mailles autour de l'encolure, en réalité, on est en train de préparer la profondeur de la capuche. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Enfin, vous le savez si vous l'avez déjà vu le tuto 22. Mais il faut avoir vu le tuto 22, sinon vous allez être perdu. Et donc, il y a des calculs à faire. Ces calculs, je les fais dans le tuto 22. Je vais vous les montrer, mais assez rapidement, parce que je l'ai déjà détaillé deux fois. Donc, je pense que ça devrait aller. Je veux surtout vous montrer où on va poser les marqueurs pour penser à tricoter à l'endroit certaines mailles pour qu'il y ait un point fantaisie tout autour de la capuche. Et bien, tout simplement, pour pas qu'elle roulotte, elle non plus, à moins que vous préfériez qu'elle roulotte, parce que ça peut être vachement sympa aussi. Et dans ce cas-là, vous tricotez toute votre capuche, tout simplement en jersey. Bon, ça y est, le café est bu, tout va bien. Alors, première étape pour cette capuche. Je viens vérifier combien il y a de mailles et de rangs pour mon encolure. Donc sur l'arrière ici, en ce qui me concerne, c'est 22 mailles. La profondeur, je le trouve ici, c'est pour moi 10 rangs. Pareil de l'autre côté. Et le petit retour devant, en ce qui me concerne, c'est 4. 18, 4, 18, 4. 4 mailles d'un côté, 4 mailles de l'autre. Donc quand je vais relever mes mailles ici, sur les 4 mailles, je vais enlever 4. Je vais relever 4 mailles ici, je vais relever 22 mailles ici. Par contre, pour les rangs, il faut que je fasse un petit calcul. Donc première chose, je note mon échantillon. 16,5 fois 22. Et je viens diviser 22 par 16,5. 22 divisé par 16,5, donc le nombre de rangs divisé par le nombre de mailles, ça me donne 1,33. Ça me permet de comparer à cette liste ici. Donc là, ça reprend un tuto que j'ai fait sur comment et combien relever des mailles, hein, tout simplement. Donc je compare ce chiffre à cette liste-là. Je vois que c'est très exactement celui-ci. Ça veut dire que je viendrai relever 3 mailles sur 4. Alors, si je dois relever 3 mailles sur 4, quand j'ai 10 rangs, je fais 10 divisé par 4 que multiplie 3. Donc, 10 divisé par 4 que multiplie 3. 7,5 mailles. Donc, en gros, je vais relever entre 7 et 8 mailles. Je vais écrire 7. De toute façon, vous verrez que tout ça, c'est juste théorique. Parce que là, donc, je suis supposé relever 22 plus 8 plus 14, je suis supposé relever 44 mailles. Donc je note ce que je suis supposé relever parce que j'aurai besoin de ce nombre-là. Je vais les relever et puis vous verrez que je ne serai certainement pas à 44, peut-être 43, peut-être 45. On va voir, mais ça n'est pas très grave. Voilà, j'ai repris mes aiguilles. Donc là, j'ai pris des circulaires, mais je vais les utiliser comme des aiguilles droites. C'est simplement que comme elles sont plus courtes et que je travaille sur une table, c'est quand même plus facile. Donc on se met dans cette position-là et je vais venir relever ici. Donc sur le marqueur que j'avais posé sur la partie numéro 1. Donc je tourne. Voilà. Je tourne mon ouvrage. Et je vais faire un petit gros plan. Alors sur ce petit bord, je suis supposée relever 4 mailles. Donc je me mets à l'endroit de mon marqueur, je prends un nouveau fil. Peut-être, oui, un petit peu de fil perdu que je viendrai rentrer plus tard. Je relève une maille. Sous la maille suivante, je ne me trompe pas de fil. Une deuxième maille. Une troisième maille. Et une quatrième maille. Donc là, j'arrive sur la profondeur d'encolure. Moi, j'ai l'habitude de toujours relever au minimum une maille dans l'angle. Donc là, ça en fait une. Et après, je suis supposé en relever 3 sur 4. Donc déjà une. 2. 3. Et la quatrième, je la saute. Et je recommence. Une.
2, 3. Donc là, je vais vérifier parce que je pense que je suis pas très loin de l'angle. Donc je peux. Alors voilà. Le truc là, c'est que j'ai le fil perdu quand j'ai rabattu pour le col et du coup, c'est un petit peu distendu. Bon, faut pas que ça vous inquiète. Donc là, je vais sauter comme prévu et je vais venir dans l'angle, en relever une. Le petit bâillement que j'ai ici, je viendrai le réparer avec ce fil. Donc maintenant, je passe sur l'arrière et là, je relève une maille pour une maille. Bon, sur l'arrière, c'est plus facile. D'abord parce que c'est une maille pour une maille et ensuite parce qu'on y voit quand même beaucoup mieux. Je relève. Donc logiquement, je suis supposée relever 22 mailles ici, mais je ne les compte même pas. Je relève une maille pour une maille et je compterai à la fin. On se retrouve après. Oh, c'est pas facile, hein. Voilà, j'arrive dans l'angle maintenant. Je suis sur la profondeur d'encolure, donc c'est 3 mailles sur 4. Une, deux, trois. Je saute un trou et je continue. Là, j'arrive dans l'angle. Et maintenant, je relève 4 mailles sur le petit retour. Une maille pour une maille. Voilà. Alors, ce que je fais ici, c'est que je tricote un rang pour rien, pour deux raisons. La première, c'est que quand on relève des mailles et qu'on veut faire notre rang, on est sur l'envers du travail. Et moi, je voudrais que mon rang numéro 1 soit sur l'endroit. C'est pour ça que je tricote un rang pour rien. La deuxième chose, c'est que comme on va faire des augmentations, je ne veux pas augmenter sur des mailles que je viens de relever parce que ça n'ira pas. Donc là, je tricote un rang pour rien. Et comme je suis en jersey et que je suis sur l'envers du travail, je tricote toutes les mailles à l'envers. Voilà, j'ai tricoté mon rang pour rien. J'ai compté mes mailles et sans surprise, j'en ai 46. Donc je le note parce que j'ai besoin aussi de ce chiffre-là, de ce nombre-là. Un petit peu plus que ce qui était prévu, mais chez moi c'est assez habituel. Ça s'explique notamment par les angles où j'ai tendance à vouloir toujours relever une maille dans l'angle. Donc ça m'en fait en plus. Mais ça n'est pas un souci parce qu'on va devoir faire des augmentations et qu'on va les faire en deux fois. On a du temps donc pour faire nos augmentations. Et si j'ai trop de mailles, et bien, du coup j'en aurai un petit peu moins augmenté, mais ce n'est pas un problème. Là, ce qu'on va faire, c'est maintenant calculer combien de mailles on veut. Alors, vous prenez le nombre de mailles que vous étiez supposé relever au départ et vous lui ajoutez 50%. Donc, moi, ça me fait 44 plus la moitié de 44, 22. Ça me fait 66 mailles. Mon objectif est d'arriver à 66 mailles sur mes aiguilles. Maintenant, je regarde combien j'en ai 46 et je fais 66. Moins 46, il me faut augmenter 20 mailles. Alors, toute la question, c'est de savoir tous les combien on augmente. Eh bien, il faut savoir combien d'intervalles on a. Donc, si je dois faire 20 mailles, si je dois augmenter de 20 mailles, je rajoute 1 et je vais donc avoir 21 intervalles. Donc, vous prenez le nombre de mailles que vous devez augmenter, vous rajoutez 1 et ça vous donne le nombre d'intervalles. Ensuite, je prends le nombre de mailles que j'ai actuellement sur mes aiguilles, 46, et je le divise par le nombre d'intervalles, 21. Alors, 46 divisé par 21, ça me fait 2,19. Comme j'ai du temps, comme j'ai la possibilité de faire ça en plusieurs rangs, déjà, tricoter 2,19 mailles augmentées, ça ne va pas être possible. Et comme en plus je sais que je peux augmenter sur plusieurs rangs, ce que je fais c'est que j'arrondis au nombre supérieur. Ça veut dire 2,19 arrondi au nombre supérieur, ça veut dire 3. Si vous trouvez par exemple 4,47, vous augmentez, vous arrondissez à 4, à 5. Je vais y arriver. Si vous trouvez 3,2, vous vous arrondissez à 4. D'accord? Vous arrondissez au nombre supérieur, je ne vais pas y arriver. Ça signifie que je vais tricoter 3 mailles, faire une augmentation, tricoter 3 mailles, faire une augmentation. Ça, je vais le faire sur le rang numéro 1. Ensuite, je vais faire le retour tout à l'envers, normalement sans toucher à rien. Après, on recomptera, je compterai les mailles que j'ai sur mes aiguilles et je calculerai combien il me faut encore en augmenter pour arriver aux 66 mailles auxquelles je dois arriver à la fin.
Donc déjà, commençons par faire notre rang donc numéro 1, où je tricote 3 mailles et je fais une augmentation. Alors vous choisissez la méthode pour augmenter en cours d'ouvrage qui vous convient le mieux, je vous montre celle que j'utilise moi. Donc déjà, je commence par tricoter 3 mailles et on va regarder la troisième maille, on va regarder comment elle tombe. Voilà, et je viens la récupérer par l'arrière pour la remettre sur l'aiguille de gauche. Puis je la tricote. J'ai fait une augmentation et je recommence. 1, 2, 3. Je la récupère en prenant par l'arrière et je la tricote tout à fait normalement. Et je vais donc faire ça jusqu'à la fin de mon rang et peu importe la façon dont je termine mon rang, ce n'est pas vraiment un souci, puisque comme je vous le disais, on ne va pas tomber juste, hein, vous n'allez pas tomber pile poil, mais c'est pas grave. On fera le rang numéro 2 tout à fait normalement et sur le rang numéro 3, on viendra rétablir les choses. Donc je continue comme ça jusqu'à la fin de mon rang. Ok, donc maintenant je tricote le rang numéro 2, toutes les mailles à l'envers, puis je compte le nombre de mailles que j'ai sur mes aiguilles. Donc rang numéro 1, j'ai fait une augmentation toutes les 3 mailles. Rang numéro 2, rien de particulier. Et là maintenant, je viens de compter mes mailles et j'ai déjà oublié combien j'en ai. Eh bien, il faut que je recompte. Non, j'ai vraiment oublié. Il faut que je recompte. C'est bon, j'ai 61 mailles. Et il m'en faut 66. Donc 66 moins 61, il me reste encore 5 augmentations à faire. Alors là, on ne va pas faire de calcul savant. On pourrait faire 5 plus 1 est égal à 6 intervalles. Très honnêtement, pour répartir 5 mailles, ça va pas être bien compliqué, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que sur le rang numéro 3, on va faire des augmentations, et sur le rang numéro 4, on est supposé ne rien faire, tricoter notre rang le plus simplement du monde. Sauf que souvenez-vous, sur les rangs numéro 4, on est supposé tricoter des mailles en droit là où elles devraient être tricotées à l'envers. Donc la première chose qu'il faut faire, à mon avis, c'est de venir mettre un marqueur déjà pour déterminer la largeur de la bande sur laquelle il y aura un point fantaisie. Donc imaginons, ben vous pouvez le regarder sur votre ouvrage comme ça pour que ce soit proportionnel. Moi en plus c'est sur des aiguilles avec un câble, donc on peut bien voir. 2, 4, 6, je vais faire 7 mailles. Voilà. C'est bien ça, ouais. Oh 6, non 6 mailles. Sur 6 mailles en début de rang et sur 6 mailles en fin de rang. 2, 4, 6. Je viendrai tricoter tous les quatre rangs, ces quelques mailles, à l'endroit. Du coup, mes augmentations, je ne vais pas les répartir sur la totalité de mon rang. Je ne vais pas venir faire des augmentations là où déjà je dois tricoter à l'endroit sur le rang numéro 4. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc mes augmentations vont être concentrées à l'intérieur. Si j'ai 61 mailles sur mes aiguilles et que j'en garde 6 au début et 6 à la fin où je ne fais rien, 61 moins 12, hop. Eh bien, 110, ben non, c'est pas. Je pourrais le faire de tête, hein, honnêtement. Ça fait 49 mailles. J'ai entre mes deux marqueurs 49 mailles et c'est sur ces 49 mailles-là que je vais venir répartir mes 5 augmentations. Alors, si vous voulez, on peut diviser par 6, hein, 49 divisé par 6 intervalles. En gros, ça me fait une augmentation toutes les 8 mailles. Mais là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous. Quand il y a aussi peu d'augmentation à faire, il ne faut pas trop vous prendre la tête. 49, ça fait presque 50. 10, 10, 10, ou 9, 10, 10, 10 et 9. Enfin, voilà. Hein. C'est pas super, super compliqué. On peut se débrouiller. Donc, rang numéro 3, je vais venir faire mes 5 augmentations. Si j'y arrive. Je m'en mêle les pinceaux, c'est pas possible. Là, oui, ne vous trompez pas de fil avec le fil perdu. Pas de blague. Donc déjà, jusqu'au marqueur, je ne fais strictement rien. Je les tricote tout à fait normalement à l'endroit. Je passe mon marqueur pour le garder. Alors il se trouve, moi, que j'aime pas bien les marqueurs comme ça quand je les fais glisser. Je préfère mettre des petits marqueurs ronds comme ça. Ensuite, là, on a dit à peu près toutes les 8-9 mailles, je fais une augmentation. Donc là, je vais faire 9. 1, 2.
et 9 et j'augmente. Et là, je vais faire pareil, 9, 9, 8, 9, 9, quelque chose comme ça. Enfin, l'essentiel, c'est que j'ai 5 augmentations d'à peu près équitablement réparties sur mes 49 mailles entre mes marqueurs. Donc là, je ne sais plus où j'en suis. Donc, il faut que je repère l'augmentation que j'ai faite. Elle est là, donc j'en suis à 4. Ok. Allez, je vais jusqu'au marqueur suivant. Voilà, donc j'arrive à mon marqueur, j'ai fait mes 5 augmentations, je change de marqueur personnellement et je termine mon rang par les fameuses 6 mailles sur lesquelles je n'ai pas fait d'augmentation. Voilà, je viens de terminer donc mon rang numéro 3. Et sur le rang numéro 4, eh bien c'est là, puisque c'est tous les 4 rangs, c'est là que je vais tricoter les mailles avant et après le marqueur. À l'endroit. Hein. Je sais pas pourquoi je compte, il n'y a pas besoin de compter, j'ai mis un marqueur, mais. Voilà, je passe mon marqueur et je tricote entre les marqueurs les mailles tout à fait normalement à l'envers. J'arrive vers mon marqueur, je le fais passer et je tricote les 6 dernières mailles à l'endroit. Voilà, donc j'ai commencé à faire mon motif sur les premières et les dernières mailles, c'est ce qui fera la petite bordure en point fantaisie. Donc évidemment, je vais recompter mes mailles et vérifier que j'en ai bien 66. Si toutefois vous étiez à une deux mailles près, vous pourriez sur les rangs suivants faire une ou deux augmentations qui vous manquent, ou bien si vous avez deux mailles de trop, il suffit pour faire une diminution de tricoter deux mailles ensemble. Sur un rang impair, évidemment entre les marqueurs, pas là où vous êtes en train de faire votre point fantaisie. Ensuite, la hauteur de capuche, il faut calculer combien de rangs on va faire ça. Alors, pour la hauteur de capuche, comme dans le tuto 22, hein, c'est la même chose. En fonction de la taille, ça ne fait pas la même hauteur. Moi, je suis en 18 mois, donc il faudra que je tricote 23 cm en tout. Donc 19, 20, 22, 23 ou 24. Si vous voulez savoir à l'avance combien de rangs ça va vous faire. Par exemple, moi, 23 cm. Donc, moi, c'est 23 cm. Je le divise par 10 et je le multiplie par le nombre de rangs de mon échantillon, c'est-à-dire 22. Hop. 2,3 fois 22, ça me donne 50. On arrondit à un nombre de rangs pairs, évidemment. 50 rangs, moins 4 que j'ai déjà fait. Il me reste, a priori, 46 rangs à tricoter. Ensuite, ce qui va se passer quand j'aurai tricoté ces 46 rangs, en n'oubliant pas mon point fantaisie en début et en fin de rang, ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre. Dans le tuto 22, je faisais un assemblage, c'était quoi? Je ne me rappelle plus, c'était un assemblage particulier. Mais là, vous faites comme vous voulez, vous pouvez faire comme le tuto 22 ou pas. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre, puis je vais plier ma capuche en deux et faire une couture au point arrière sur l'envers du travail. Voilà. C'est une fois que la capuche est pliée en deux, voilà avec les 46 rangs. Donc vous avez rabattu et puis vous venez faire une couture au point arrière toute simple. Voilà, et puis ensuite je ferai toutes les coutures sous les manches, sur les côtés, couture au point arrière aussi. Peut-être que je pourrais vous mettre le lien là vers une vidéo que j'ai faite sur la couture au point arrière, mais vous connaissez, j'imagine. Et puis on se voit après pour le bilan. À plus. Ça y est, j'ai enfin tout terminé. Donc on passe un petit peu au bilan. Premier bilan, c'est que vraiment, j'adore ce petit paletot. Voilà, je les adore, que ce soit dans la version originale point mousse, celle-ci où je viens relever des mailles, ou ici où on fait le point fantaisie. Je trouve que c'est un super ouvrage pour les enfants. Enfin, je sais pas, je trouve ça super mignon. Les petits boutons, j'ai réussi à les mettre. J'ai été sage, donc là, des petits boutons, ouais, que je trouve assez sympa. Et ici, j'ai fait un ton sur ton, alors que à l'origine, sur le premier, j'avais mis les petits boutons un petit peu plus visibles. Mon seul regret, c'est la profondeur de capuche, qui n'est pas assez profonde parce que le retour ici, en point mousse n'est pas assez large. Parce que j'avais pas assez de fil, j'ai pas retrouvé à temps la pelote de laine. Sinon, le truc, c'est que voilà, j'ai mis 107 ans pour tourner ces tutos. Le rouge et le bleu que j'ai déjà offert, j'ai commencé à les tourner, je crois, au mois d'août, en même temps que le tuto 22. Là, on est le 1er novembre. Tout ce que j'avais tourné ne me plaisait pas, donc j'ai tout viré. J'ai recommencé et
C'est pas une bonne idée hein, de laisser les choses comme ça durer autant de temps parce que du coup j'en vois plus la fin. Il faut savoir aussi que j'ai plein d'essais là qui sont en cours, donc j'ai je crois pas moins de 6 ouvrages à monter, des ouvrages taille adulte qu'il faut que je couse, les boutons, les cils et là. Je crois que j'en ai fait un petit peu trop d'un coup. Eh ben non, super. Alors après, il y a plein de variantes possibles. On peut évidemment pour ici faire la base dans un autre point que le jersey et venir éventuellement relever des mailles ou pas pour rajouter encore un autre point fantaisie. Bon, ben, il faut faire gaffe évidemment aux différents échantillons. Bien sûr, on peut faire des rayures, on peut le faire en coton pour le printemps. Enfin voilà, j'espère que vous me posterez sur la page Facebook toutes les versions que vous pourrez faire de ce tuto 22 et de sa déclinaison ici. Bon, et eh ben je vais. Voilà, là j'ai terminé ce tuto-là. Je suis en train d'en tourner un autre en même temps pour essayer un petit peu de rattraper tout le temps où je n'ai rien publié. Ben, j'ai rien publié parce que je n'avais pas très envie en fait. Mais je crois que l'envie est revenue, donc gare à vous. Allez, à bientôt pour de nouveaux tutos.